To. Let's play hide and seek Bonsoir à tous et bienvenue pour cette 67 e émission de hashtag Twitch. On espère que vous êtes en forme. Est-ce que dans le chat vous êtes en forme, je crois qu'il y a déjà quelques personnes qui sont là. Ça fait plaisir dès le début en tout cas. On vous salue, on espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous êtes content d'être le week-end. Pour ceux qui ne travaillent pas le week-end, parce que je crois qu'il y a des gens qui travaillent le week-end, qui nous écoutent peut-être. Et si vous nous écoutez en rediffusion, bah voilà, bonjour. Qu'importe le jour et l'heure euh, qui soit, euh, voilà. Euh, en tout cas, pour ce soir, vous allez voir émission un peu euh, spéciale. On va pas trop en dire là tout de suite. D'abord, je vais vous présenter l'équipe qui sera présent avec moi. Il euh, y aura. On va commencer par Z cette fois pour changer. Ça du Z. Hello à tous. J'espère que vous allez bien, autant le chat que, que l'équipe. Bah ben écoute, euh, ouais, j'espère aussi que tout le monde va bien. En tout cas, toi, comment ça va, surtout toi. La forme. Ça ah va, bah, tranquille, prêt à suivre les matchs euh, de ce soir. Il y aura ça du beau match plus tard. Effectivement, on verra ça plus en détail, mais ouais, on va commencer la coupe européenne chez les A, etc. Mais avant de voir ça, on va présenter Darcel aussi qui sera présent avec nous. Salut Darcel. Coucou Comment ça va Est-ce que tout va bien J'ai pas, d... pas de jeu de mots sur le Canada ce soir, t'as vu je me Ouais, je pas suis déçu, je m'attendais à quelque chose là. <rire> <rire> je... je suis rien, déçu. <laughs> rien du tout. Il n'y a plus d'énergie, c'est le vendredi soir, il n'y a plus rien. On a tout donné. Quoi. <laughs> Remboursé, quoi. <laughs> Et, euh... Et alors, on aura des invités. Euh... Attendez, que je ne dis pas de bêtises. Je pense qu'ils ne sont pas présents là tout de suite avec nous. Si je dis pas de bêtises, est-ce que quelqu'un peut confirmer de l'équipe Mais en tout cas, on aura. En fait, on va voir des invités. Ils vont tous arriver un peu plus tard. Donc on aura Vala, en fait. Donc ça, Vala, vous connaissez bien évidemment. Euh, on va voir Vala. Il ne sera pas là pour lui-même entre guillemets. On ne va pas faire d'interview de lui, etc. Mais euh, il sera accompagné par euh, Simon et François de Cicéron Édition. Alors là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est, etc. Machin, blabla. Bla. Ça, vous verrez tout ça plus en détail. On en reparlera après. En tout cas, voilà, ce sera par rapport à une idée en fait que Vala a eu et s'est dit pourquoi pas euh, un peu. Le terrain avec la communauté, etc. Euh, normalement, François et Simon étaient présents avec nous, mais je crois qu'ils ne sont plus présents avec nous. Si vous êtes présents, n'hésitez pas à dire bonjour si vous m'entendez, que vous pouvez parler, mais je crois qu'ils vont peut-être revenir un peu plus tard. Donc, comme ça, vous savez tout. De toute façon, à 21h, on verra ça en détail avec eux, euh, qu'est-ce qu'il en est. Mais on aura besoin de vous, de votre avis. Alors, aussi bien en direct, donc les gens qui nous écoutent la main tout de suite, on aura besoin de vous bien évidemment, que les gens qui nous écoutent en rediffusion. On vous demandera aussi des commentaires dans la vidéo. Et là pour une fois, c'est pas pour le référencement, etc. Ce sera vraiment pour un avis euh, très important. Donc restez jusqu'au bout. Si vous voulez pas écouter la première partie de l'émission et que vous êtes en rediffusion, bah hop, vous switchez directement jusqu'à la partie qui concerne l'interview de l'invité. Et par contre, si vous êtes en direct avec nous, bah, vous allez devoir tout vous taper. Allez, bonne chance. un truc qui a l'air super négatif. Non, bien évidemment, euh, vous allez voir qu'on va passer une bonne soirée. Je pense que peut-être pour déjà récompenser. Les gens qui sont en direct avec nous, on pourrait faire peut-être la petite prédiction. Vous en pensez quoi, l'équipe Bah ouais, ça peut être bien. Darce ouais. Darcel, on ferait quoi comme prédiction euh, Ou Z oh, Je pense qu'il y en a une assez, assez importante avec. Euh... Ah, quoique hum, ça se joue entre les deux. Parce il y a un gros match important en Coupe du Monde U21 avec la France à U21 à qui a joué euh, sa survie entre guillemets, contre le Congo. Mais il y a aussi la Coupe d'Europe. Chez les A qui, de, qui, démarre, qui démarre avec la J1 et les J1 c'est toujours très très dur à prédire. C'est vrai Donc, les, les deux se valent. J'hésite alors je dirais les U21 quand même pour. Ou alors pour tu le vois de la compétition. Moi j'aime bien tout changer je sais que z il me déteste pour ça à chaque fois mais toi on pourrait faire un truc du style A et U21 est-ce que les deux France gagnent, une seule France gagne ou zéro France gagne. <laughs> tu vois. Donc, en gros. Le but c'est que ça ouais. soit simple pour les gens. Moi, moi, les trucs tordus ça me dérange pas. Mais ouais mais euh... c'est, tu vois, il y a un côté sympa. Tu vois, est-ce que les deux équipes de France ont gagné ce soir Est-ce qu'une seule des deux équipes va gagner ou est-ce que aucune Bah c'est peut-être trop compliqué. Darcel, tu peux trancher On te laisse le choix. Ouais, j'aime bien, j'aime bien l'idée. comme ça, ça change un comme peu. comme ça, ça, ça récompense les gens qui suivent euh, notre raisonnement dans le chat. Ça ah, marche. Vas-y, dis-moi dis d'un parce que je te. Tu marques pas. France A et U21 point d'interrogation. Tu mets les deux gagnent, une seule gagne, ou euh, aucune ou zéro gagne. Est-ce que vous avez compris quelque chose dans le chat Est-ce que vous êtes présent dans le chat D'ailleurs, oui, attendez, on va déjà remercier et saluer les gens qui sont présents avec nous. Donc, attendez. On a Scalperi-Popette, euh, chef lindois, juste un joueur. Euh, je vois qu'il y a Fabino aussi qui dit bien le bonsoir. Je vous écoute sur la route du retour du boulot. Ah ça, ça fait plaisir. Mais écoute, on va, on va essayer de te faire passer un bon moment, en tout cas, sur la route du retour. On espère que ça va te plaire, Fabinou. Euh, ça fait plaisir de te voir, en tout cas, ici. Et, euh, et j'ai vu ce qu'Alperipopette qui a dit « Alpa nous manque ». Alors, il faut savoir que qu'Alpa nous manque aussi. On pensait que normalement il devait revenir. Ce... En fait, c'était prévu qu'il vienne pas quelques émissions. Voilà, c'était de manière euh, personnelle et tout ça, mais rien, rien, de grave, tout va bien pour Alpa. Mais on pensait aussi qu'il revenait ce soir, mais on n'a pas eu de nouvelles, donc on imagine qu'il revient peut-être pas ce soir. Donc euh, j'imagine la semaine prochaine normalement en tout cas, mais bien sûr qu'Alpa nous manque aussi. Il fait toujours un très très bon boulot, en tout cas au niveau des actualités. Et, euh, et donc voilà, est-ce que dans le chat, tout est clair pour vous J'ai envie de remercier Darcel qui s'est réabonné. Merci Darcel avec Amazon Prime. Avec plaisir. Il <laughs> faut savoir qu'encore une fois, je leur dis, mais si vous avez Amazon Prime, vous pouvez euh, comment dire, souscrire euh, gratuitement en tout cas... À... C'est pas souscrire, mais comment ça s'appelle Prendre un abonnement, c'est ça S'abonner, en fait, ça. S'abonner sur Twitch. Euh, mmh. n'hésitez pas à le faire en fait c'est vraiment gratuit c'est compris dans votre abonnement si vous n'êtes pas déjà abonné à une autre chaîne Twitch bien évidemment et alors très important euh, si vous nous écoutez sur Youtube et que vous avez quand même un, un abonnement Amazon Prime et que vous n'êtes pas abonné à quelqu'un sur Twitch n'hésitez pas à nous donner enfin euh, à nous donner l'abonnement en quelque sorte. Nous 100 des gains qu'on touche, c'est pour vous pour faire des cadeaux et pour resservir la communauté. Donc c'est pour ça en fait. Donc n'hésitez surtout pas. Après chacun fait comme il le sent bien évidemment. Ça c'est Amazon Prime. Vous pouvez aussi utiliser euh, un paiement normal mais ça vous n'êtes pas obligé du tout. Vous n'aurez aucun avantage par contre à faire ça. Chacun a préciser. <laughs> Donc voilà, je suis très mauvais vendeur bien évidemment. Euh, Est-ce que la prédiction Oui, la prédiction est en cours. Si c'est pas assez clair, n'hésitez pas à demander mais bon, je pense non, c'est clair. France A 21, les deux gagnent, un seul gagne, personne gagne. Clair quand même. Ouais. Je vois que ça vote. Voilà, donc là, c'est un bon début d'émission. Bon, ce soir, au programme, il y aura les actualités de la semaine. On va suivre les matchs internationaux, donc la Coupe du Monde, comme disait Darcel, la Coupe du Monde du 21, la J8 du T1, donc match ouais. ultra important. C'est ça, exactement, parce que la France est en mauvaise position, ils sont cinquièmes, mais ils sortent d'une très belle victoire face au quatrième. C'est vrai. Donc, euh, adversaire direct pour la qualification. Donc euh, ça a redonné confiance, ça a relancé l'équipe. Et là, on joue face au Congo, qui est deuxième, mais qui est pas très loin, qui a porté de tir. Donc euh, ça pourrait tout relancer. C'est serré dans le groupe en plus, hein, si je dis pas de bêtises. Je pense que tout, très toutes très les sérieux. équipes sont très... Enfin, il suffit d'une victoire pour repasser cette barre fatidique, euh, on va dire... Euh... Ouais, il y, y a la Palestine qui est un peu en retrait, mais, mais après sinon c'est très serré. Et il y aura aussi il y aura aussi la Coupe du monde européenne euh, pardon la Coupe d'Europe la Coupe du monde européenne super la Coupe <laughs> européenne pardon euh, qui démarre en fait aujourd'hui ouais c'est surtout le mandat de, de Triskel qu'on a reçu euh, le nouveau sélectionneur national et du coup là son mandat débute avec cette Coupe d'Europe donc la Coupe d'Europe c'est des qualifications pour la Coupe du monde améliorées euh, donc euh, toujours très intéressant à, à suivre et on espère que la France euh, portera bien dans ce groupe. Chef Landois qui dit « Les deux gagnent, ça marche toujours plus le vote sur mobile. » C'est bizarre. Je suis désolé, hein, Chef Landois. Et en plus, là, on ne peut pas vraiment voter pour toi parce que c'est avec les, les points de chaîne, etc. Donc en gros, euh, là, on peut pas le faire pour toi. Euh... Les deux gagnent, nous dit euh, Steph Le Géant. N'hésite pas à voter avec les points de chaîne, hein, Steph Le Géant, si tu n'as pas fait au cas où. Hein. Tu peux voter normalement en cliquant. Alors si tu sur mobile, faut croire que ça bug. Est-ce que Darcel ou Z, quelqu'un peut aller sur mobile juste, juste vérifier rapidement s'il y a bien un souci Comme ça, on le sait. Comme ça, la prochaine fois, on précisera que sur mobile, ça ne marche pas. Mais je pense que normalement, pense... ça devrait marcher. Ouais, oh, quand même. On a bien réussi à faire quelque chose. J'espère. Salut Alpa dans le chat. Ou ouais, Alpa, tu nous manques, on est en train de dire. On, on pensait que tu revenais aujourd'hui, mais faut croire que tu reviens la semaine prochaine. Bosse. Oui de mon côté ça marche très bien tu peux peut-être juste expliquer c'est où qu'on trouve ça c'est tout au dessus c'est ça ou non ah, non non en fait quand tu vois le chat tu as une petite bannière en haut avec la prédiction bah, comme, comme sur ordinateur en fait ok et si tu cliques dessus tu peux, tu peux choisir de ta prédiction non c'est c'est bien fait ok et donc voilà, en tout cas, pour le programme de ce soir. Et de toute façon, les matchs internationaux vont démarrer à l'instant, incessamment sous peu, plutôt. Donc, je pense qu'on peut peut-être aller jeter un petit coup d'œil. On espère que... Ah oui, pardon, on pas... il y aura la tribune des supporters aussi, j'ai oublié de préciser. En plus, on a reçu plein de courriers, parce que la semaine dernière, je me suis plaint en disant, ouais, on n'a pas reçu de courrier, c'est dommage, et tout. Là, vous êtes lâchés, vous avez envoyé du courrier, ça fait plaisir. Il y aura la chronique de Z. Z, en deux mots... Euh... On va parler jeu. On va parler jeu, c'est parfait, c'est un truc qui nous intéresse, je pense. Euh, l'interview de l'invité, bah là, ce sera pas vraiment l'interview de l'invité, ça sera, on va parler un peu du concept et de l'idée qui a trotté dans la tête de Vala et de nos de, de Cicéron édition qui sera avec nous et le jeu de la semaine, bien évidemment. Euh, on va passer aux matchs internationaux. Donc, si ça va pour toi, hein, Darcel, on va voir un petit peu ce qui se trame derrière ces matchs -là. Donc, les matchs qu'on va suivre en fil rouge, il y aura Congo-France. Attendez, je vais juste rafraîchir rapidement. Congo-France, Sénégal-Ouganda. Ça, c'est chez les U21. Et chez les A, donc la Coupe européenne qui démarre, on va suivre France-Bélarus et Belgique-Andorre. Ouais. Ben, on va commencer par quoi les, les U21 C'est parti. Ouais, U21. Comme tu veux, je te laisse. Euh... Je te laisse Alors, U21, c'est un schéma très 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 classique, avec le Congo qui est en CA, donc en contre-attaque, et qui joue en pique, en tranquille, et la France de son côté a sorti un pique aussi, a sorti une contre-attaque, donc euh, ils anticipaient peut-être que le Congo allait, allait chercher la possession, et ce n'est pas le cas, donc c'est une contre-attaque qui ne servira à rien, car la France a le milieu de terrain. Euh, donc, côté de euh... notes. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça, ça va pas être simple pour la France, euh, mais euh, malgré tout, ils peuvent le faire sur des occasions normales. Ok, suspense. En tout cas, il faut prendre des points. C'est la huitième journée, c'est ça. Hein ouais. Donc il reste trois journées encore. Je vais vous afficher le classement, regardez ici aussi sur l'écran, donc en bas à droite, hein, vous pouvez voir le classement euh, actuel. On voit que c'est très serré, tout va bien, mais au plus on prend des points, et au plus ça rassurait, en tout cas pour l'équipe de France. Effectivement. Et après, si on passe sur. Euh... On passe sur lequel Sur la, la, la France A Oui, ouais, bah, si, pas tout. Si on va passer chez les A, donc ça, c'est le début de la compétition euh, de la Coupe d'Europe. Oui, effectivement. Et là, c'est aussi du schéma classique avec la Biélorussie. Je vais me tromper. La Biélorussie qui vient en contre-attaque. Une très belle contre-attaque de leur part avec euh, des pauvres fronts de défense et une monolatte. Même normalement, non, deux, deux attaques. Parce il, y a, il y a sur l'aile droite aussi où c'est c'est pas mal. La France de son côté a sorti euh, un gros milieu de terrain mais qui est sûrement en pic et euh, il y a tout de même des, des fronts d'attaque intéressants. Donc euh, faut prier très fort que ça tombe pas du côté gauche pour la bielo aussi. Les attaques. Exactement. En tout cas, je vois déjà des supporters. Je vois Steph le géant qui met euh, la France 100% devant. Allez, les bleus aident au bal. Popette qui dit première compo de Triskel. C'est vrai, vrai que c'est la première compo de Triskel. Quoi. Ça, c'est beau. Co ça. Comme tu disais, Darcel, un premier match, c'est toujours très compliqué quoi, de... de faire une compo. Ouais, ouais, c'est vraiment le flou total, le brouillard total. C'est ça. Donc, euh, faut y aller avec le plus de certitude possible. Et la France euh, pouvait partir avec la certitude d'avoir la possession mm -hmm. en pique. Donc, euh, c'est le le principe qui a été utilisé et la Biélorussie va jouer crânement ça je pense avec cette euh, cette CA donc euh, on va voir ce que ça va donner contre attaque à 10 20 plus 1 euh, nous demandait Escalpy Popette donc euh, contre attaque à 10 20 plus 1 comme ça tu sais mmh. ouais après c'est des notes assez classiques ça se balance entre entre 10 20 plus 1 et plus 4 plus 5 en général sur les contre attaques donc, ouais. euh... du fait, classique en assez... tout cas alors, comme l'autre match euh, chez les A, j'avais pris donc euh, Belgique-Andorre aussi. On va suivre aussi la Belgique, bien évidemment. Il y a pas mal de Belges qui nous écoutent. Euh, et on est curieux de voir en tout cas ce que ça va donner au niveau de la Belgique. Nouveau mandat, donc de... C'est Munch, hein, je crois, le nouveau sélectionneur. Attendez, je juste... J'ai pas envie d'écorcher le prénom, je m'excuse par avance, donc je vais regarder. C'est Munch. Donc euh, voilà, quelqu'un assez connu. Je crois qu'Alpa nous avait dit, c'est un des sélectionneurs les plus... Euh, comment dire, les plus capés. Enfin, tu vois, qui a le plus de de mandat après je crois Regia si je dis pas de bêtises donc euh, ouais. un sélectionneur d'expérience ouais. en tout cas ça ne l'empêche pas de se faire avoir <laughs> parce que, par exemple <laughs> il y a deux Pressing qui sont sortis, après se faire avoir non quand même ils ont, ils ont un bel avantage en attaque, c'est juste que le Pressing est peut-être assez assez dommage pour la Belgique car euh, Andorre vient sans aucune attaque ils ont totalement délaissé l'attaque pour monter un gros fond défensif et un gros milieu de terrain. Mais il y a tout de même un bel avantage pour la Belgique avec, ses... avec cette attaque. Plus plus importante. Et alors pour finir, euh, salut à Belette qui nous a rejoint pour finir, j'avais choisi aussi Sénégal, Ouganda. Alors pourquoi Parce que en fait, je ne savais pas, j'ai découvert que Vala était sectionneur adjoint du Sénégal de Jabout en fait et je me suis dit bah tiens, pourquoi pas euh, suivre ce match là aussi parce que pour le Sénégal, c'est un match capital, le Sénégal qui est enfin capital. Le Sénégal pourrait se mettre bien en tout cas s'il venait à à remporter ce match. Ils sont deuxièmes du classement, ils jouent contre les premiers, donc c'est un match voilà, qui peut être intéressant. Et donc, Sénégal-Ouganda, on est sur du 3-5-2 contre du 5-3-2 pour l'Ouganda. Il est en train de Il pas. <laughs> ah, pas de soucis, <laughs> pas de soucis. Je... Donc voilà, ouais, c'est ça. Donc le Sénégal en 3-5-2, l'Ouganda en 5-3-2. Et. Euh... Et au niveau des notes, je te les affiche en hein, cas où, je te laisse, si tu veux, je meuble un peu pour, pour que tu vois, mais en gros, ouais, je, je pense que l'Ouganda est plutôt sur une contre-attaque, hein, si on ne dit pas de bêtises, voilà, c'est ça, mythique 17, au niveau de la contre-attaque. Oui, effectivement, une contre-attaque du côté de l'Ouganda, avec euh, ah, des beaux fronts d'attaque, et en termes de défense, ils ont un petit peu laissé, ouais, pour être euh, plus offensif. et du côté de, du Sénégal, c'est compo classique, possession, des fronts d'attaque intéressants, une bonne défense, être très disputé et il ya déjà un but pour la france ah ouais but pour la france la aussi ça c'est une très bonne nouvelle ça pour Triskel, ça met la confiance hein. tu commences ton mandat par le premier match ouais. officiel avec un but très rapide ça doit ça. faire plaisir quand même enfin, après confiance ah, en un grand mot Joueurs mais... joueur de tête euh, direct ça fait plaisir c'est vrai c'est vrai Top, écoutez, ça c'est déjà une bonne nouvelle en tout cas. Euh, voilà pour les matchs. Alors, bien évidemment, on sait qu'il y a plein de matchs il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Maroc, il y a le Bénin, il y a tout ce qu'on veut, il y a toutes des équipes qu'on aime bien. On ne pouvait pas tout mettre donc n'hésitez pas dans le chat à dire aussi les résultats parce qu'on arrive notamment chez l'U21, on arrive vers la fin donc tous les résultats ont vraiment une importance capitale. Donc euh, vous nous dites euh, s'il y a des résultats en tout cas des équipes que vous suivez et nous on regardera ça dans le chat avec grande, euh, grande int grand intérêt. Et euh, d'apidu, tu as du courrier de Paris Popette, ok, si tu viens d'envoyer juste un courrier là maintenant, ça va être un peu tard hein, pour ce soir, parce faut, normalement on prévoit un peu le truc et tout, donc à voir, tu me dis si c'est vraiment important ou pas, mais en tout cas nous euh, on fera un tour, mais peut-être que justement c'est l'occasion d'aller voir le courrier, qu'est-ce qu'on a eu justement comme courrier cette semaine de la part de, de la communauté en tout cas euh, donc voilà, la semaine dernière, euh, je m'étais plaint, en tout cas au niveau du courrier, en disant voilà, on n'a pas reçu de courrier, c'est dommage, etc. Machin. Eh bien vous vous êtes euh, rattrapé cette semaine parce qu'on a reçu beaucoup de courriers. Enfin beaucoup, on a reçu trois courriers, on a reçu trois lettres. Et alors attendez, je vais prendre juste tout ce qu'il faut pour bien lire euh, ces courriers-là. On a reçu un premier message euh, de Seb Léger. Attendez, je vais vous l'afficher. Bon, il est très long, mais je vais vous le lire, ne vous en faites pas. C'est Bléger qui nous dit euh, Tara76 nous a fait peur en ne se connectant plus pendant 72 heures, ne faisant même pas sa composition d'équipe pour le samedi soir, le genre d'absence qui amène à se demander si tout va bien pour lui. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour le contacter et lui demander si tout va bien IRL Qui a un contact avec lui IRL On ne sait pas. Personnellement, sur ma page de manager, dans la rubrique présentation, j'ai indiqué un manager de confiance pensé dans mon 06 et celui de mon frère. Oui, car si je suis mort, je ne répondrai pas à mon 06. Bon, un peu extrême, mais bien évidemment, voilà, on comprend la démarche. Comme ça, vous savez à qui vous adresser pour essayer de rentrer en contact avec moi et savoir ce qu'il en est. J'encourage tout le monde à faire pareil pour qu'on puisse se rassurer quand il y a une absence non annoncée et surprenante. Heureusement, Taras était juste super occupé avec sa double vie et s'est connecté à 20h. Merci. Alors en fait, pour ceux qui ont suivi, euh, c'est vrai que sur le Discord, on a parlé, et je crois que sur le forum aussi, c'est un peu discuté. C'est vrai qu'en fait, on n'avait pas de nouvelles de Taras. Et euh, des gens ont commencé à s'envoyer des messages en disant, ouais, est-ce que tu connais Taras A son numéro Tu... Euh... Tu sais, ce qui va bien, ça faisait 3-4 jours qu'il s'était pas connecté. Euh, donc c'était un peu le... On va dire, voilà, on se pose des questions, on espère euh, vraiment toujours que tout va bien. Mais c'est vrai que parfois la vie IRL fait que ben, ça prend plus de temps que, que le jeu et ça peut arriver. Mais c'est vrai que, euh, voilà, donc Seb Léger proposait une idée, en tout cas, au cas où il y aurait un souci un jour avec quelqu'un, ben, on pourrait euh, peut-être prendre des nouvelles rapidement, etc. Donc euh, voilà, en tout cas voilà une idée de Seb Léger. Je sais pas ce que vous en pensez, euh, je vais vous demander à ça euh, dans le chat. Ouais, je vois la fraternité atrichienne, mais clairement, ça, franchement, Taras d'ailleurs, il a dû recevoir, genre je sais pas combien de messages privés, <laughs> parce que... Parce que je pense que pas mal de gens ouais, tu lui envoyé un message. <laughs> c'est surtout qu'on a connu malheureusement des, des, des mauvaises nouvelles de ce type, donc ça, forcément ça inquiète quand on voit quelqu'un qui se connecte pas, surtout quelqu'un qui a l'habitude de beaucoup se connecter. Donc, de suite, surtout quelqu'un en championnat et... en plus, tu vois, il y a un intérêt à se connecter les week-ends, enfin. Ah, bah, à se connecter tous les jours. Ah, tous oui. les jours, ouais c'est ça, tu vois c c'est de la micro-gestion au poils de fesse. <laughs> exactement, exactement. Et euh, je vois, c'est une belle idée. Euh, est-ce que vous allez le faire Est-ce que vous voulez le faire euh, C'est vrai que ça pourrait être une idée, en tout cas, pourquoi pas euh, Pourquoi oui. pas Ça peut être, en tout cas, ça peut être quelque chose qui permettrait de faire ça. Alors, je vais juste aller voir peut-être rapidement sur la page de Seb Léger. On va regarder un peu comment il a fait ça. C'est comme ça, on voit un peu comment est-ce qu'il a mis ça en place, voir si ça intéresse aussi des gens pour faire cela. Euh... Attendez, je vais vous afficher l'écran. Tac, tac, tac. Voilà. Donc si on va sur la page de Seb Léger, on voit... Euh... Ah bah voilà la présentation. Si vous ne me voyez pas connecté pendant 5 jours, c'est que ça pue mauvais, comme dirait ma fille. En effet, ça fait plus de 10 ans que je me connecte chaque jour. Si ça vous inquiète, euh, sachez que Elundrill du marchand bref c, est ma personne de confiance. Il a à sa disposition mon 06. Euh, Alertez-le, il fera la démarche de téléphoner, gloire moteur de jeu ou pas. C'est vrai que ça peut être une idée. Alors un message aussi, non pas spécialement, enfin. Mais c'est vrai qu'on pourrait mettre un petit message. Euh, voilà. Si... Euh... Euh, en cas d'absence, vous pouvez contacter blablabla. Tu vois une personne. Ça peut être une idée. Pourquoi pas en tout cas. En tout cas, l'idée est lancée. Euh, Triskel qui nous met un zéro, mais Triskel, on l'a vu bien en avance. On l'a vu, c'est un zéro. Ne t'en fais pas, on est super content pour toi en tout cas. Et on disait euh, que c'était une, une bonne entrée en matière en tout cas déjà. <laughs> c'est but rapide. Donc voilà pour ouais donc euh, Darcel Z, vous en pensez quoi de cette démarche aussi Oui, l'idée sympa. Ça peut rassurer aussi effectivement parce que là tout à l'heure ce qui s'est passé il y a quelques jours ça a surtout fait peur à certains et peut-être remonter de mauvais souvenirs. Donc, oui, ça peut... pas, je n'entends pas toujours très bien, c'est comme ça tu sais, à ton micro, je pense qu'il y a une un loin. Je, je, je disais que l'initiative était bonne parce que c'est vrai qu'on s'est fait une petite frayeur il y a il à quelques fait. jours avec, avec Taras. Euh, maintenant, euh, oui, enfin, moi, je, moi, je, moi je trouve que l'idée est sympa. Est au moins, moins enfin, j'ose espérer, dans la majorité des cas, c'est surtout pour rassurer les gens qui s'inquiéteraient un peu. Parce que bah, des fois, la vie fait que, oui, on a quelques jours où on n'est pas sur internet ou connecté à nos téléphones ça peut arriver parfois effectivement tu vois effectivement et donc là euh, voilà on reste pour rassurer comme dit cassé ça permet de rassurer en cas d'absence surprenante comme celle de taras mais s'il s'agit d'un événement vraiment grave on ne sera pas rassuré ça bien sûr bien sûr mais, euh, mais voilà ça peut permettre en tout cas de, bon, on, de rassurer au moins on sera, au moins on sera fixé parce que ne, ne pas savoir c'est des fois pire que savoir même si la nouvelle est mauvaise mais bon après voilà bah, comme dit cassé ouais, que je me demande si je ne préfère pas rester dans l'incertitude effectivement bah, en tout cas voilà l'idée est lancée et ça montre que Hatrix est vraiment un jeu très communautaire. Ah clairement, clairement. Pas le genre de choses qu'on verrait sur d'autres sites ou d'autres jeux. Hein. Ce, ce genre de... Ah non, de clairement, clairement. Bah là, c'est vraiment chaque une personne... Belle chose. Ouais, clairement. Ça, c'est franchement... Mais en fait, tu vois, effectivement, le... c'est ce que je me suis dit, en fait, par rapport à Taras. Au début, je pense, comme beaucoup de gens, je me suis inquiété. Enfin, j'ai pas paniqué du tout. Je me suis dit, j'espère juste qu'il va bien. J'espère juste qu'il n'y a pas de soucis et tout. Mais tu sais, c'était un peu inquiétant en disant, bon, c'est bizarre, il n'y a pas de nouvelles. Mais d'un autre côté, c'est vrai que, bah, une fois qu'on a eu des nouvelles, je me suis quand même fait la réflexion aussi en me disant, finalement, c'est... C'est beau quoi, C'est, je pense tout le monde compte sur tout le monde en fait, c'est vraiment une communauté très soudée en tout cas, donc euh, ça fait plaisir quoi à voir, euh, à voir ça. Ok, euh, on peut regarder le courrier suivant, parce que je vous ai dit, on a reçu pas mal de courriers. Donc le courrier suivant c'est de bah, Fabinou, qui était dans le chat justement, Fabinou, qui est le sélectionneur. J'ai un trou de mémoire, j'ai pas envie de dire de bêtises. Alors c'est Tunisie ou Tunisie U21 Alors attendez, Fabinou, tu peux m'engueuler dans le chat si tu es plus rapide que moi. Non. Non, on interdit à Fabinou de t'engueuler parce qu'il est sur la route. Ah oui c'est vrai, est, pardon, c'est vrai, euh, vrai, Attention. Mais c'est Tunisie, c'est une Tunis... En fait, voilà. On, il, en fait... On, en... Oui. On, on, on te dispute à sa place. C'est ça. Non, en fait, pour ma, défa... pour ma défense, il est sélectionneur national de Tunisie. Il est superviseur des joueurs de l'équipe nationale de Tunisie U21, quoi. Donc il est un peu, dans, on va dire, dans les deux staffs, mais il est, voilà, sélectionneur Alors. national de Tunisie. Cette excuse ne marche pas parce que c'est très 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 souvent le cas. En fait, quand tu <laughs> es sélectionneur bon. A, les joueurs U21 C'est pas sympa en fait. Concrètement, futurs... <laughs> Non mais c'est pour expliquer. Hein. Non mais bien bien sûr, bien sûr. C est, c est... Concrètement, les joueurs U21, quand ils ont fini d'être en U21, c'était futurs joueurs de, 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 de l'équipe A. Donc c'est toujours intéressant vrai. de pouvoir les suivre tout le long de leur carrière. Quoi. Non mais t'as raison, t'as raison, c'est bien vu en tout cas. Mais en tout cas, Fabinou qui nous dit. Euh, petite pub pour la NT tunisienne où vous êtes tous les bienvenus pour euh, venir découvrir un staff faire du scouting former un potentiel tunisien euh, n'hésitez pas à venir nous rejoindre donc euh, voilà si vous voulez vous investir dans une équipe euh, nationale en tout cas euh, vous vous dites bah tiens j'aimerais bien un peu euh voir ce que c'est l'ambiance d'une équipe nationale euh, sans avoir peut-être la pression de l'équipe nationale française même si c'est très bien aussi aller aussi du côté de la France si vous voulez mais il y a la Tunisie. Alors après je connais pas du tout le staff ni rien mais ça peut être sympa pour une première expérience peut-être en tout cas pour euh, voilà scouter euh. de toute façon, je pense contacter Fabinou46 directement, il y a son pseudo qui s'affiche sur l'écran, je le redis Fabinou46 et je pense que lui pourra aussi vous guider sur euh, je, ben, ça tu peux me confirmer d'Arcel, il y a plein de travail potentiel possible euh, en tant que euh, qui gravitent autour des équipes nationales. Je veux dire, il n'y a pas qu'un seul euh, taf possible. Quoi. Oui, oui bah, souvent, en fait, en, dans, dans les petites nations, les personnes font plusieurs travails. Par exemple, superviseur, superviseurs, ils font la DTN, ils font le suivi, ils font les conseils aux proprios, etc., etc. Et plus on va monter dans des grosses nations, plus le travail est séparé. Mais, mais vous pouvez voir un peu de tout selon ce qui vous intéresse, il y a plein de choses très intéressantes à faire et Fabinou fait très bien de, de faire cette petite pub parce Ils ont toujours besoin de, de, de bras. Exactement. C'est ces ouais, vrai. Donc voilà, contactez le en tout cas si ça vous intéresse ou si vous êtes même tunisien, si vous, êtes, voilà, si vous avez envie en tout cas, vous êtes les bienvenus. Euh, je vois Alpa qui dit Allez Fabinou, il faut l'inviter dans HT Actu. C'est en cours de négociation. On invite tout le monde, nous Alpa, tu sais bien de toute façon. Même toi, on t'invite hein. quand tu veux, hein, tu passes dans l'émission. <laughs> J'ai l'impression qu'Alpa, il faudra l'inviter pour qu'il revienne. <laughs> <laughs> euh, et euh, je tombe contre, contre Nina qui nous dit Salut Nina qui dit je tombe contre Fabinou en Coupe de France mercredi et bonsoir à tous bah, bonne chance tu tombes contre un joueur expérimenté mais tu es toi-même une joueuse expérimentée donc tout va bien tu vois ça va, ça va être un beau combat en tout cas entre entre vous deux on l'espère et, euh, et un but encore pour ah oui, non, but de la France but. toujours ah, je ne l'ai pas encore, moi. C'est vrai Ok, cool. Pour la France, de Triskel Ou de Toi, tu ne l'as pas encore, mais Triskel l'aura dans un quart d'heure. <laughs> oui, ouais, c'est encore plus en temps. Ah, mais c'est cool, et, parce que je vais oui. réfléchir quand même. Ok, 2-0 pour, pour la France. Excellent. Mais des... ça, c'est une belle entrée en matière, franchement. Euh... Triskel, en Excellent. tout cas, pour l'instant, un bon départ. En tout cas, on espère que ça, que ça continue comme ça. Mais là, tu es, en... es en train de... de mettre la pression sur les adversaires, tu vois, de montrer un peu qui est présent, qui est là. Et alors, dernier courrier euh, pour ce soir. donc C'est cool. Merci beaucoup hein, pour vos courriers. N'hésitez pas, hein, franchement, euh, même, même ceux qui écoutent en rediffusion, vous pouvez aussi envoyer un courrier. Enfin, vraiment, n'hésitez pas. Ça nous fait super plaisir de recevoir. De... Ça peut être n'importe quel message. Euh, ça nous fait plaisir, en tout cas. Dernier courrier, c'est cette kill qui va poser une question. Cette kill qui nous dit « Ce lundi 20 mars, j'ai reçu le HTML suivant de la part d'Attrick. Bonjour, félicitations, vous venez de recevoir un crédit pour le nombre d'Attrick que vous avez marqué lors du trophée de la semaine des supporters signé l'équipe Attrick. » Alors cette quille nous dit, je découvre ce type de récompense dans ce trophée. Est-ce une nouveauté Quelles autres récompenses y a-t-il dans ce trophée Avez-vous bénéficié d'une récompense dans ce trophée Alors, ce n'est pas une nouveauté, si je dis pas de bêtises, ça existe depuis le début de ce trophée. Et il y a d'autres récompenses, en fait. Si vous finissez à une place, euh, un touron, rond, par exemple millième, deux millièmes, trois millièmes, quatre millièmes, etc., vous remportez trois mois de supporter. Ah euh, cold? trois mois ou un mois? je sais plus. Vous remportez des mois de supporters, je ne sais plus combien exactement. Et, personnellement, j'ai déjà gagné ces récompenses. J'ai déjà gagné euh, le, le et le, millième, euh, par, par, ce tournoi. Et, euh, j'allais oublier, mais ça, c'est une récompense qui est très lointaine. Si vous finissez premier, vous avez un an de supporters. Alors, je crois que c'est platine. Okay. De, pas mal sympa et le deuxième et le troisième ont aussi du, de, du supporter offert donc c'est vraiment une compétition orientée pour récompenser les supporters par contre voilà. un crédit pour cette kill ils sont quand même dix fois plus radins que acheter Actu avec les dix crédits en cas, <laughs> si je peux me permettre bah après le truc c'est que c'est <laughs> ouais, de... monde donc tu peux c'est vrai euh, que cette kill a pas beaucoup ma... ouais, en, en arrivé <laughs> à 3 4 5 euh, atriques Qu'est-ce qu'il me dit Il y a des récompenses, trois mois d'après ce qu'a euh, il y a des récompenses, des crédits, je crois, pour les trois premiers de chaque pays aussi. Euh, ok, ok, c'est cool, c'est cool qu'il fasse ça, qu'il donne des récompenses et tout, en tout cas, c'est chouette. Et euh, donc voilà pour les courriers, on me dit dans l'oreillette que, euh, que Valas serait arrivé. Est-ce que c'est possible Zed, tu peux me confirmer Oui, j'aurais juste testé le son avec lui en vitesse avant de le mettre à l'antenne. Ok, bah, s'il a le même matériel, normalement, ça devrait aller. On l'a reçu il y a trois semaines et on l'a reçu il y a quatre semaines, je crois, normalement. Vala qui est un peu un habitué pour l'instant, c'est un peu le taulier quoi. <laughs> mais bon. Mais ok, on va voir. En tout cas, on va voir si Vala, en tout cas. Euh... Ouais, je pense que tu peux ouvrir le micro, Vala. Tu peux nous dire bonjour, salut Vala. On va tester. Sauf si Z veut tester. Bonjour à tous, ouais. Désolé, désolé du retard. Pas de soucis. Non, pas de problème, il y a pas de problème. On, a, on avait prévenu les gens que tu allais arriver un peu plus tard. Ah, c'est sympa. Du coup, un... j'ai loupé quoi T'as loupé deux donc, buts de la France, c'est ça Deux buts de la France et, euh, et le courrier et le, la tribune des supporters. 3 buts de la France. Attends, c'est moi qui viens de voir un 3ème but de la France. Et 3-0, ouais. 3-0, ok, bon. ben, bah, c'est super. il faut que j'arrive en retard plus souvent. Bah, franchement, la classe. 3-0, en tout cas, pour la France. Euh, incroyable. Ouais, Zed t'as un peu le tollé. En fait, Z... Z avait raison. Il voulait te faire un petit test son pour être sûr. Mais c'est vrai qu'on t'a reçu il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, il y a 4 semaines, il y a 5 semaines. Donc, en fait, le son est toujours nickel. Si je peux te rassurer, bah, ouais, rassurer Z aussi, je... tout va bien. Je... Désolé pour les suiveurs, ils <laughs> ont peut-être que... marre en plus de me <laughs> voir. Enfin, promis, après je calme. Non, non, pas du tout, t'inquiète, pas du tout. En fait, alors si tu veux savoir, on n'a pas du tout expliqué aux gens, on a juste dit qu'on recevait donc Vala et Cicéron édition, euh, qui okay. vont aussi arriver normalement, euh, je pense, d'ici euh, quelques minutes, Voilà, d'ici peu de temps. Voilà, peu de temps. Euh, à mon avis, on va garder peut-être encore un peu la surprise, et on en parlera vraiment en mmh. détail en deuxième partie euh, d'émission, je pense que ça peut être peut-être l'idée pour vraiment expliquer. Mais bah, carrément. C'est une, une espèce de projet concept que tu nous expliqueras en tout cas, euh... Par rapport à tout ça. C'est ça. Euh, Est-ce que euh... donc voilà. En tout cas, au niveau du courrier de la tribune des supporters, j'ai toujours envie de dire courrier, mais je sais que Z va me dire, Z et Darcel vont me dire que c'est pas bien si je dis ça. Donc j'essaie de me retenir. Bah, surtout que c'est moi qui ai trouvé l'idée, hein, salope. <laughs> Pour une fois que t'as une idée en plus. <laughs> non, je rigole. Mais ouais. <laughs> non, je rigole. Et donc, non, non, par contre, on va passer aux actualités, si ça vous va, aux actualités qui vous sont, qui vous sont présentées, enfin pas présentées, qui vous sont rédigées par ALPA, qui malheureusement n'est pas là. Euh, les actualités de la semaine. Alors attendez, on va mettre l'écran. Et on va regarder un petit peu où ça en est au niveau des actualités. Euh, donc qu'est-ce qui s'est passé cette semaine Je vais prendre le dossier d'ALPA. Et ALPA nous dit cette semaine qu'il y a eu. Alors attendez, c'est est bien le 15 du 3. Non, attendez. Voilà, en fait, il y a. Euh... Ah bah, ça va, en fait ça va. Franchement, il euh, y a pire. <laughs> Attendez, je ne sais pas comment j'ai juste affiché ça. Il y a un mail acheté en route vers l'Europe. Et alors, effectivement, euh, c'est un mail acheté que je ne peux pas vous afficher là directement à travers le site. Donc, euh, j'ai juste récupéré ce qu'il faut pour marquer le professionnalisme. Euh... Donc voilà, en gros, c'est un mail acheté euh, qui a été fait juste pour la France, si je ne dis pas de bêtises. Donc, euh, amis français, vous l'avez reçu en tout cas normalement dans votre. Euh de votre boîte de réception, en tout cas du jeu, on va dire. Et en fait, ce maillage acheté permet de dire que euh, c'est Triskel qui est en poste de l'équipe de France, que vous avez accès aux fédérations. Je pense qu'effectivement, c'est pour mettre un petit, euh, un petit coup, de, coup de projecteur sur les fédérations et, euh, et dire qu'il voilà, y aura des concours, etc. Donc n'hésitez surtout pas à rejoindre la fédération. Je vais vous afficher le maillage acheté. Hein, vous allez le voir quand même, parce qu'Alpa nous a découpé le maillage acheté il fait ça bien. Alpa est un professionnel, hein, bien évidemment. Euh, voilà le mail acheté En tout cas, qui s'affiche chez vous Donc comme ça, si vous êtes belge, suisse ou euh, en Côte d'Ivoire, etc., vous pouvez voir le mail acheté En tout cas, qui était euh, qui était mis en tout cas pour la France. Et donc voilà. Euh, vous en pensez quoi En tout cas, des fédérations, peut-être ah, Surtout que là, euh, on a Triskel qui a axé son mandat sur la fédération parce que le, les débats tactiques, etc., vont se passer en grande partie sur cette fédération. Donc il a pour but de la rendre assez active, donc c'est bien qu'il y ait, qu y ait un, quelque chose dans ce sens quoi. Ok. Ok, donc suivi. vous êtes dans la Fédération France, euh, Valla, euh, Darcel Oui. Et ben bah, euh... Ah ouais, non, vas-y Darcel. C est, c est... Non, vas-y, vas-y, c'est bon. <laughs> Et moi, justement, j'avais un doute là-dessus, comme je ne suis plus acheté Sup je crois que j'ai été viré de pas mal de, de fédérations, est-ce que quelqu'un peut me rappeler sur combien de fédérations on peut euh, on peut être deux, deux, ouais, non, deux hein. fédérations euh, deux fédérations nationales. donc sans c'était si pas abonné tu n'as que par exemple U21 et A où tu peux où tu peux être ça de, 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 de de la France quoi mais t'es pas obligé ah non tu peux je pense c'est deux fédérations que tu peux choisir ah, de, de n'importe quel pays oui. ouais, Ok, et bah du coup je peux pas l'être pour l'instant parce que je suis encore dans d'autres fédérations avec le Liban avec, euh, avec pas mal de choses. Faut que je règle ça ouais, pour, essayer, pour essayer de la parce que c'était ce qui était intéressant là dans les élections entre, euh, entre Yajog et, et, euh, et Triskel. C'est le travail sur la fédération et ça c'est vraiment top pour que tout le monde puisse apprendre de, de ce qui se passe, de toutes les discussions qu'il y a eues. Euh, on m'a vu quelques petits, euh, quelques petits passages euh, sur ce qu'ils discutaient sur la, la FEDDA et ça avait l'air top quoi, pour, euh, pour apprendre tout ça. Si, si j'avais pu avoir accès à ça avant d'être au Liban, je pense qu'il y a plein d'erreurs que je n'aurais pas fait. Donc euh, c'est super, il ouais. faut que tout le monde y aille pour, euh, pour apprendre de, de, bah, de, de l'équipe qui est en place. quoi ouais, personnellement, moi j'ai beaucoup appris en rejoignant des staffs euh, sans donner mon avis, juste en tant mmh. qu'observateur, etc. Euh pour ceux vrai. que ça peut intéresser, euh, foncez. Et en plus, c'est toujours euh, très accueillant, etc. Même si vous ne connaissez rien du tout, vous ne serez pas jeté dehors, ne vous inquiétez pas. <laughs> ah, c'est bien de préciser en tout cas. Et alors la dernière actualité, euh, bon ça c'est du classique, hein, cette actualité, euh, c'est le changement d'heure, vous connaissez. C'est une actualité qui a aussi dans la vraie vie. Attention, ce n'est pas que dans le jeu. Donc euh, faites attention aussi chez vous. Euh, D'habitude ça arrive en avril, ça Alors, rien à voir là, c'est une question que je me pose à l'instant. Normalement le changement d'heure c'est en... toujours au mois de mars En fait c'est ça a été décalé si je dis pas de bêtises. Avant, ah, ok. C'était en avril, maintenant c'est au mois de mars, je crois. Ok, d'accord, ok, ok. Parce que. Parce que en fait, j'avais un moyen mnémotechnique pour que si avance si avant... on oh, Ouais, voilà, avril avant et octobre recule. C'était ça, hein, je crois. C'est ça. Ouais, c'est ça. Parce parce octobre, ça, commence, ça finit par RE, donc recule. C'est ça. Et avril, ça commence par AV avance. Tu sais quoi, j'avais la même. Et c'est pour ça que là, j'étais perturbé, J'étais en train de me dire attends, on est au mois de mars, on avance ou on recule. <laughs> Mais tu sais, avec mars, ça marche pas quoi, tu vois. Mais vous faites ça en Belgique aussi Ouais, ouais, bien sûr, bah oui, non, on est pas... On a est ce dire. Dire. Est que, si je dis pas de bêtises, c'est commun à toute l'Europe. Le, le ouais, je pense, Europe, ouais, hein. clairement. Est pas, je croyais qu'il y avait la France qui faisait ça. Ah non, 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 En fait, aussi... c'est même plus, ils le font aussi au Canada, et, sauf qu'au Canada, on a une semaine de décalage. D'accord. Du coup, là, cette semaine, on n'avait que 5 heures de décalage avec la France. Ok, ok. Et euh, ouais, je vois effectivement c'est la popette qui dit oui. euh, genre ça on, ça devait pas être annulé. C'est vrai qu'on en parlait tout un temps, mais finalement ils ont annulé l'idée d'annuler, je crois. Non non, c'est toujours en pour parler. Enfin c'est en pour parler voilà. Et, ouais. faut Déjà cool. qu'on se mette d'accord en France, puis ensuite qu'on se mette d'accord avec les pays européens, puis enfin voilà, va être long. <laughs> soyez pas pressés. But <laughs> ouais, pour vrai. le Congo. Et but merci. Aye, aye. But pour le Congo. Ah ça c'est une très mauvaise Alors nouvelle ça, effectivement. c'est aberrant. C'est un but comment contre-attaque contre qui va passer. Sur une action clé. Ouais d'accord. Qui va passer en corner, c'est ça Ouais, c'est ça. Parce que je ouais. trouvais ça bizarre qu'ils mettent un but. Et ouais, alors bon. Juste peut-être par politesse aussi, parce que je viens de voir qu'en fait nos invités étaient disponibles, donc nos autres invités en plus de Valade. Donc je veux dire déjà bonjour à François et Simon de Cicérone édition S'ils sont bien là présents avec nous, on va quand même les saluer. En tout cas, s'ils sont là, s'ils m'entendent, n'hésitez pas. Vous, êtes, vous avez le micro qui est coupé au cas où. <laughs> Comme ça, vous savez. Mais, euh, mais voilà. Ah, bon, peut-être qu'ils sont réabsentés, mais bon. De toute façon, quoi qu'il arrive. Ah. On est là. Hello. <laughs> voilà. Enchanté. Hello. En tout cas. Tout le monde. Alors, enchanté. il faut s'imaginer que personne ne sait qui vous êtes. Hein. Ça, c'est assez incroyable. C'est assez chouette. Moi, j'aime bien. Tu vois, ça met un peu de suspense comme ça. Les gens. Vous les, savez quoi les... ouais. Est-ce que c'est une première sur l'émission Vous êtes non plus. De quoi t'as dit Pardon. Pardon. Tu sais quoi On vous rassurer nous ne savons pas qui vous êtes non plus. Voilà, c'est ça. <laughs> en fait, on a pris des gens aléatoires, on leur a demandé de venir. <laughs> Et non, alors, en fait, c'est ouais, une première, je pense, dans l'émission. Tu disais, voilà, bah ouais, on reçoit des gens. Alors, comment expliquer Moi, je pense, ce qu'on pourrait faire, c'est. De toute façon, on va vraiment en parler en détail à 21h. Peut-être qu'avant tout ça, les gens dans le chat peuvent essayer de trouver pourquoi vous êtes là, qui vous êtes éventuellement. Euh... Voilà, pourquoi est-ce qu'on vous aurait invité ici Quel est le rapport avec Vala, etc. Ça peut être pas mal, non De voir un peu la créativité eh bah, des oui. gens dans le chat, quoi. Ça, c'est pas mal, ouais. absolument. Allez. Donc, on vous laisse dans le chat, en tout cas, essayez de deviner. Et bah, celui qui devine, bah, félicitations. Voilà. Il n'y vraiment pas de... Non, ce serait cool, ça serait cool de voir ça. Ouais, bonne chance, en tout cas, bonne chance. Il y a peut-être moyen, tu vois. Il y a peut-être des petits indices. On a dit quand même qu'il... Enfin... Vous étiez donc euh, voilà, on verra en tout cas, on verra ce que les gens vont proposer. Et nous, pendant ce temps-là, on va peut-être juste continuer. Bah, tiens, comme on a des gens justement qui ne savent pas vraiment qui on est, on ne sait pas vraiment qui ils sont, je pense qu'on peut continuer avec une chronique, peut-être Z qui est un peu dans ce rapport-là et qui finalement est une chronique un peu hors euh, hors atrique. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, très bonne idée. Et est-ce que je peux me permettre une, une petite note sur des fuseaux horaires quand même Bien sûr. J'ai une petite pensée pour ceux qui travaillent de nuit parce que selon euh, ce qui se passe, ça peut faire une heure de plus à travailler la nuit. C'est très désagréable. Je vous assure quand on est de garde aux urgences ou, ou, dans, des, ou dans tous ceux qui sont dans le médical. Oui, mais à l'inverse, ça peut mais être. Là, là ouais. ça va. C'est une heure de moins. C'est la garde qu'il faut prendre. Voilà. <laughs> ça, tu vois, tous ceux qui travaillent pas sont dégoûtés parce qu'ils dorment une heure de moins. Ceux qui travaillent sont heureux parce qu'ils tra... travaillent une heure de moins. En fait, c'est ça. <laughs> <'est> ça. Finalement. <laughs> Mais euh, non mais c'est bien, c'est vrai que parles. C'est vrai qu'il y a ça aussi d'ailleurs. Euh, les gens euh, qui travaillent de nuit. Euh, je pense mmh. qu'il y en a en plus qui nous écoutent, qui travaillent de nuit. Genre, on avait déjà entendu des gens, je sais plus qui, mais mmh. Il y en a qui travaillent de nuit. Bon ben on pense aux raisons, en tout cas. Clairement, clairement. Écoute Zed, c'est à toi. Tu vas nous parler de quoi euh, ce soir euh, Je vais vous parler de jeux euh, concept assez particulier. C'est-à-dire que euh, on parle souvent. J'ai remarqué qu'on parle souvent de, de jeux vidéo parce que je pense que D'entre nous sommes des joueurs hors atrique bien sûr, euh, et du coup, je me suis dit, bah tiens, euh, qu'est-ce qu'il existe comme jeu, mais complètement pété, on va dire, euh, qui ont été développés et qui ont été vendus et commercialisés. Et j'ai trouvé quelques jeux sympas, des trucs un peu trash, un peu what the fuck, on va dire. Euh, je vais commencer par Atto Full Boyfriend, en, euh, sorti en 2011. Alors, il faut savoir que euh, le mot Atto Regarder un peu ce que c'est, c'est un mot qui n'existe pas, mais c'est un mot qui mélange deux termes japonais ato qui signifie pigeon et atsukoi qui signifie premier amour. Ainsi, atofool est une combinaison des deux mots qui se traduit en gros par premier amour de pigeon. Le but du jeu est simple c'est un jeu de drag. En fait, vous êtes le seul humain dans une école remplie de pigeons et vous devez draguer des pigeons. C'est un peu bizarre. Je me demande à quoi spécial. penser le développeur en développant ça, mais ça existe. C'est un jeu qui existe. Vous pouvez taper okay. atofool boyfriend sur internet. Et vous trouverez. Ça a l'air spécial. Euh... Attends, Zed, je te coupe juste un petit peu. Euh... Peut-être juste parce que je crois que Darcel va devoir nous quitter. Voilà. D'Arcel, on sait qu'il est au Canada, le décalage horaire. Bah Darcel, non, on te, fait... on te fait une bise. Euh, voilà. oui. Carrément, bon, direct. ça va. <laughs> c'est pour une bonne nouvelle pour Zed. Je, je, je l'embête pas. <laughs> <laughs> pas. Non, du du tout. Tout. pas du Allez, tout. Allez, ciao Darcel. <laughs> euh, ouais, mmh. Bisous Darcel. Merci beaucoup, Darcel. À la semaine prochaine. Et alors, Zed, désolé de te recouper, mais là, c'est important. Je remercie 7 kills aussi qui s'est abonné aussi avec. Euh s'est abonné en tout cas euh, à la chaîne. Donc euh, merci beaucoup cette kill et salut à cette kill bien évidemment. Voilà Z, c'est à toi. Euh, ensuite pour parler de d'autres jeux, vous aimez bien les simulateurs d'équipe de foot. Moi j'ai trouvé un autre simulateur. Euh, c'est un euh, c'est un simulateur euh, de toilette on va dire enfin, de euh, d'urinage ou d'urinage. Je sais pas trop comment on le dit. De, ouais, de, euh, ouais. En gros vous avez votre Wii Mode. Je sais pas si vous voyez la Wii. Il y avait une petite Wii qui était un petit un petit stick qui détectait les mouvements grâce à des accéléromètres et grâce à un capteur infrarouge. Euh, et du coup, en fait, vous utilisiez votre whistick comme euh, pénis, et vous deviez, en regardant votre télé, simuler que vous uriniez debout. Donc voilà, est-ce que, que ça a été développé par euh, des dames qui auraient aimé euh, voir cette sensation que nous, les hommes, avons en urinant debout un peu partout je ne sais pas, mais toujours est-il que ce jeu existe aussi. Ok, Et ça serait bien de voir le nombre de ventes aussi qu'il y a eu, tu vois. Ça, je n'ai pas regardé, mais c'est sorti en 2008, donc c'est pas si vieux que ça. Sinon, dans les autres jeux, j'ai trouvé aussi, parce que la religion a ses jeux, sur NES, en 1999, était sorti Bible Adventure. C'est réellement, c'est dangereux. C'est a sorti une cartouche, enfin, le cartouche est sorti. Et en gros, le but, c'est simple, c'est d'interpréter les grandes figures de la Bible avec des versets tout au long de l'aventure. Je ne vous cache pas que ce n'est pas pour moi. Euh, sinon, qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre Ah oui, j'ai trouvé aussi deux jeux qui ont été très 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 contestés. Euh, un jeu qui s'appelle... qui est sorti en 2018, qui s'appelle Active Shooter. Ok. Et donc, il faut savoir en fait que euh, bah, en fait vous pouvez incarner deux types de personnages. Soit un personnage qui a pour but de faire des. Euh, euh, des, euh, des tueries de masse dans les écoles. C'est véridique, hein. il y a des mecs qui ont développé ça complètement un peu pété quand même. Ou interpréter un membre du SWAT qui doit euh, bah, empêcher le, le tueur de faire, euh, de faire son, son massacre. Sympa. Alors ça a été <laughs> sorti sur Steam à la base le jeu, euh, mais vu le scandale que ça a fait, euh, la société derrière Steam donc Valve a décidé de ne plus publier, publier le jeu. Et pas plus mal. Ok. Euh... Et pour terminer, un autre jeu, je ne savais pas que ça existait non plus, mais un jeu où euh, vous êtes le, euh, le présumé assassin de Jeff Kennedy, et vous devez l'assassiner, et vous avez, euh, vous avez des points en fonction de la qualité de votre assassinat euh, qui doit être le plus proche de la réalité. Voilà. Euh, <laughs> c'est ce Non mais c'est super glauque, il enfin, okay. faut imaginer qu'il y a un jeu, c'est juste ça en fait. Euh, et du coup, ben, euh, ils ont dû... Euh, ben, là, clairement, la, la classe politique s'est euh, élevée contre ce jeu. Euh, et il a été condamné. Euh, il n'a pas été interdit, mais il a été fortement condamné. Et vu qu'on n'en a pas parlé, ça n'a pas dû être un très grand succès. Voilà, c'est tout pour moi. Okay, ben, merci beaucoup, Zed, en tout cas, pour euh, cette rubrique. J'ai envie de demander à nos invités, est-ce que vous jouez à d'autres jeux Enfin, ce que vous jouez à des jeux euh... Peut-être pas dans ce style-là, bien sûr. Est-ce que vous jouez à des jeux Est-ce que vous avez des jeux préférés Des jeux où vous jouez beaucoup, peut-être et eh ben moi en ce moment je joue pas mal euh, au jeu de Pokémon de cartes en ligne. Il y a une nouvelle version en plus qui est sortie il y a pas très longtemps. C'est essentiellement l'autre jeu auquel je joue. Pokémon de cartes en ligne, tu veux dire c'est un... comme un Magic mais euh, version Pokémon ça Ouais, c'est ça. Bah, C'était okay. la base même un peu des, des, des Pokémon quoi. Ouais, Et est il y a okay. une petite application qui est, qui est, sur, euh, qui est sur smartphone là, que, que j'aime bien, qui fait bien passer le temps avec pas mal de, de, de mécanismes. Euh... Pour, bah, pour essayer de piéger l'adversaire, composer son deck. Et ouais, j'aime bien, ça me détend. ok et la Belgique qui a mis un but face à l'Andorre. Ah, tip 1, top. 0. Et vous, dans le chat, dites-nous aussi votre jeu que, sur lequel vous êtes en train de jouer actuellement euh, le plus, on va dire, voilà quand vous avez du temps libre. Et nos invités aussi, je vais peut-être demander à François et Simon, est-ce que vous jouez à des jeux Est-ce qu'il y a des jeux vraiment de prédilection que, que vous aimez bien N'hésitez pas à nous dire, en tout cas, s'il y a des jeux vraiment. Euh... Alors, euh, vous parliez de Pokémon, euh, alors je sais pas si on a le droit de faire la promotion des jeux craqués, mais j'ai récupéré <laughs> sur mon Mac un émulateur de Game Boy de Nintendo DS, et j'ai téléchargé, c'est lequel, Pokémon Diamant je crois. Ok. Et je joue à ça depuis, euh, bon, je joue en entrecoupé, mais euh, je suis un peu grippé en ce moment, donc j'ai passé pas mal de temps derrière l'écran <laughs> ces derniers jours. Et, euh, et je découvre d'ailleurs des nouveaux Pokémon parce que c'est pas des Pokémon de nos générations c'est assez intriguant du coup Ah ouais clairement c'est euh, Ouais je me, je me lance pas mal là-dedans, ouais, c'est un peu mon jeu du moment Ok, okay. Là c'était euh, Simon si j'ai pas de bêtises Ouais tout à fait Pas ouais. mal, je reconnais les voix, c'est pas mal. Et François <laughs> Alors moi du coup j'ai un peu honte mais je, je ne joue pas du tout aux jeux vidéo pourtant dans mon entourage tout le monde a son, son petit jeu favori mais c'est vrai que pour moi, c'est un, un univers euh, euh, pas trop familier. J'y ai joué euh, très jeune. Mais, euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de mon quotidien, même si euh, c'est partie de la culture et que j'ai toujours une oreille tendue pour euh, mon entourage euh, sur les différents jeux pratiqués. Mais c'est vrai que euh, je ne suis pas un grand connaisseur pour l'instant. Ok, mais pas de soucis. Mais voilà, je, je, je découvre et euh, je reste toujours curieux, en tout cas, de, de ce qui se fait. Mais pour rebondir sur... Euh, Pokémon. Euh, il y a peu, je suis tombé sur une, une vidéo faite, je crois, avec euh, les journalistes de chez Combini, qui ont interviewé l'un des inventeurs des noms français de Pokémon. Hyper intéressant, et je vous recommande si jamais vous voulez regarder. Ah, bien vu. Ouais, c'est vrai que c'est toujours des jeux de mots, carrément donc euh, ouais. ouais. Souvent, ouais, c'est carrément des jeux de mots. Hein. Donc, euh, c'est vrai qu'il faut une traduction vraiment, enfin. Euh, une bonne traduction pour que ça soit vraiment cohérent avec l'univers en fait dans ce cas-là. Donc euh, c'est vrai que c'est intéressant. Ça, ça, ça je, je, je l'ai pas vu. Je, je serais bien curieux de voir ça en tout cas. C'est assez court comme vidéo, mais euh, en, en fait c'est vrai qu'il y a une mécanique derrière et il euh, euh, y a vraiment un jeu sur la sémantique, sur euh, sur, sur l'univers et, et puis il y a aussi euh, une part euh, individuelle du créateur euh, de, des noms français et en fait il, il le dit dans la vidéo et vous le verrez si, si vous avez la curiosité d'y aller. Et que des fois il y met aussi des fois sa petite touche personnelle et c'est assez surprenant. Là, je okay. vous recommande. Il oui, y a JCC, ouais c'est comme ça qu'il s'appelait. Et maintenant il y a une nouvelle version pour le jeu de cartes Pokémon. Là je vois Steph le géant qui nous, qui nous mettait ça. Ah ouais. Dans le chat, les vois dans le chat, il y a quoi ouais, JCCB, Il y a du Skyrim mais... aussi, évidemment. Skyrim, pas un classique, mal. Classique, Skyrim également. Ah, ça, c'est un classique, quoi, se balader à cheval dans l'univers la... <laughs> médiéval. L'univers médiéval, ça c'est sympa. Clash euh, bon. Royale, ça, je crois que Z il aime bien Clash Royale. Ça, c'est une petite confession que je vous fais sur Z. Clash <laughs> Royale, oui, il aime bien. Ça, je joue encore de temps en temps. C'est. C'est mobile. C'est des petites parties. C'est des petites parties courtes. en attendant le bus. En attendant euh, un but de, de l'équipe de France et, ou de ton équipe <laughs> Ça fait être ouais, le C'est vrai. Et moi, ce que je vous propose, peut-être, normalement, on fait toujours un petit break. D'ici 10 minutes, on va faire une petite pause. Tu vois. Sauf que je suis en train de me dire qu'en fait, les gens dans le chat, ils savent pas du tout. À qui on a affaire, etc. Donc, peut-être pour essayer de ça. les mettre sur la piste, parce que peut-être que les gens auront des questions, mais tu vois, si on dit à 21h, genre, ah bah voilà, c'est telle personne, le temps que les, gens, les et, gens ont des questions. Et on les laisse réfléchir pendant la pause, comme voilà. ça. Donc, en fait, ce qu'on pourrait faire, peut-être, moi j'ai envie de m'amuser d'abord à... peut-être que les gens posent des questions pour essayer de deviner, euh, tu vois, qui sont vraiment. Enfin, c'est quoi le but C'est quoi le but de ce qui va se passer à 21h On fait réponse oui ou non ou Vas-y, fait... oui ou non, ouais. oui ah. ou non, on peut faire okay. ça pour commencer. Donc, Allez, donc je sais... on prend les... les questions du chat. Ne pas oublier que le, notre chat est très fort. Attention, on a un chat qui est très très fort pour, ouais, euh, vrai, pour ces choses-là. Donc euh, en, deux secondes, en deux phrases, ils vont trouver. <laughs> Est-ce est que ce sont des coachs à trick de championnat bah, Je te laisse répondre en fait. Euh, Vala ou Cicérone, euh, comme vous voulez. Et ben, bah, je pense qu'on fait chacun une, une réponse. Moi je réponds à celle-là. Euh, non, ce ne sont pas des coachs à trick. Allez, n'hésitez pas à enchaîner les questions. Il euh... bon, y a toujours un délai, hein, comme ça vous savez aussi. Parfois il y a un délai de 5 à 10 secondes. Donc, euh... Le projet est -il une copie du décrédit FC Ouais, c'est euh... non, je pense que c'est non, effectivement. <laughs> ah, J'avais pensé au 1 Crédit FC, mais euh, visiblement, d'habitude, ne m'a pas laissé faire, malheureusement. <laughs> c'est ça, quoi. Est-ce que c'est <laughs> Minus et Cortex Pas du tout. Enfin, non, je ne pense pas. En fait, ah bah hein. ouais, peut-être, en fait, peut c'est vrai, en fait. Euh, ils sont invités suite à ton idée, issue du 12e homme euh, Pas du tout. Je me permets de répondre aussi parfois, mais je vais vous laisser aussi répondre. Hein. Euh, Est-ce que ce sont des streamers Twitch Hum... Non, je crois pas. Pas ma connaissance non plus. Non, non. <laughs> ah, les gens ne sont pas du tout sur la piste. Je pensais que les gens seraient peut-être sur la piste, tu vois, mais non. Vous Pourtant, avez distillé quelques indices, euh, mais peut-être que ces personnes ne sont pas là. Ah, et, euh, et tu vois, moi. J bah, ouais, je peux peut-être donner un indice. Vas-y. Je pourrais dire que c'est un, un lien très fort, évidemment, entre HT Actu et euh, l'un des, euh, des 100 euh, qu'il y, euh, qu y a sur le forum Atrique France. C'est pas mal. Ah je vois. Donc est-ce que sommes des hommes Est-ce que je peux des... le confirmer Ok ok. C'est vrai que non, ne savait pas non plus finalement, mais là maintenant on a la confirmation. Euh, un bouquin de recueil de textes abtriques. Ah là franchement, on tient quelque chose. <laughs> mais c'est pas ça exactement. <laughs> c'est pas ça exactement, mais euh, c'est ça s'approche beaucoup. Ouais, je vais écran. répondre à, à la question, sont-ils philosophes romains Alors en fait, euh, Cicéron était le philosophe romain, et Cicéron, c'était un guide pendant l'Antique. On n'est pas la même personne. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en que, plus, je ne vous ai pas affiché sur l'écran, je suis désolé, mais comme vous n'aviez pas d'avatar vraiment, etc., tu vois, je ne vais pas rentrer dans les détails, donc je n'ai pas pu vous afficher. Mais on marquera, je marquerai après, euh, à 21h, on marquera vraiment le nom euh, pour que les gens puissent le voir. Euh, Est-ce que c'est -ce est une version... Est-ce que vous êtes journaliste alors moi je l'ai été, mais c'est pas la raison pour laquelle je suis là ce soir. Et c'est François qui parle. Et moi Simon, non, je ne l'ai jamais été. Ok, donc euh, non, beaucoup de non. Une version écrite d'HT Actu. Franchement, restez pas sur HT Actu, en fait, euh, je pense. <laughs> en fait, finalement. C'est vrai que les gens se bloqués sur HT Actu, mais... Euh... Euh... <laughs> Une version BD. <rire> <rire> euh, oui. Et ça mêlera atrick et les Pokémon. Non, non, <laughs> euh, éditeur de bouquins donc euh... est-ce que vous êtes éditeur de bouquins je sais pas si ah, bouquins ah, bouquin, juste un joueur, c'est fort c'est un joueur donc voilà, donc là vous voyez oui de quoi ah pardon là, je vais juste dire, en tout cas là vous voyez je pense plus ou moins dans le domaine dans lequel on est donc, ça va, franchement, on commence à voir ce que c'est. À ouais. mon avis, après la pause, vous aurez peut-être plus de questions, mais vous aurez aussi plus de précisions en fait sur exactement euh, ce qu'il en est. Euh, Moi, je pas... dirais que quand même, ensemble, euh, évidemment, le chat et la commu a, a quand même réussi un peu à, à trouver euh, oui, la oui. majorité de l'idée que, que j'ai que envie de, de vous proposer. Rapidement en plus, hein, je trouve, franchement, ça va, en quelques minutes, tac-tac-tac, ouais. les bonne question. Euh... Euh, donc voilà, en gros, euh, on vous dira tout ça en détail. On aura besoin de vous aussi, peut-être, de, de vos avis, de vos idées. Donc c'est pour ça qu'on fera aussi. On aura besoin de vous, ça c'est sûr. Euh, oui, enfin, oui, complètement. On, a, on aura complètement. complètement Beaucoup ouais, besoin de vous même. Donc euh, c'est pour ça, soyez en forme en tout cas euh, quand on reviendra tout à l'heure. Mais euh, voilà, comme ça vous avez un peu l'idée principale en tout cas de, de ce qu'il en est. Euh, un blog, est-ce que c'est un blog, etc. Je sais. Ok, Steph le géant, on te laisse le dernier mot. voir T'as dit je sais, donc là t'as la pression. On espère avoir euh, la bonne réponse. <laughs> moi bah, 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 je voudrais vraiment remercier euh, l'Alpa qui qui nous fait bien rire on, on voit pas nos visages mais avec François on, on est en plein de ouais. parce que l'Alpa nous fait énormément rire avec ses réponses euh, complètement random non mais bien sûr faut savoir qu'Alpa Alpa en fait il fait partie de l'équipe normalement c'est juste que là il est pas présent mais Alpa il fait partie de l'équipe il, il fait très bien son job et tout mais quand il est dans le forum c'est le pire troll du monde tu vois là ça va il est encore marrant mais parfois il, il me troll mais t'imagines pas à quel point quoi parfois il fait genre je vous entends plus il y a un problème avec le stream tu vois. et moi tu sais je crois que le stream il a planté tu vois, et en fait non c'est juste du troll quoi mais ça le parodème N'empêche <laughs> que moi, vos voix, j'ai cru que c'était les deux mecs de Villebrequin à un moment. Mais bon, quand même. Ah ouais d'accord. Ah, ouais. <laughs> ah c'est vrai que ça pourrait, maintenant que tu dis ça, je suis en train de me dire. Ah, ah ouais, j'ai bugué tout à l'heure. C'est un million. multiple pourtant. Ah, c'est dommage. <laughs> c ça. Et attends, donc, Seb Lejean, t'avais dit quoi Je sais, le suivi master des TS. Ah non, <laughs> oui, c'est <laughs> Ça, c'est un délire. Alors, ouais, ça, c'est un délire. C'est Vala qui est amoureux du TS dans le jeu. Donc voilà, c'est vraiment une partie spécifique du jeu et Vala est amoureux de ça. mais mm. Je pense pas que ça soit ça, bien évidemment. Et, et puis là, avec qui m'a demandé de faire suivi de TS de tous euh, les clubs qui sont en master, euh, je suis pas bien là. <laughs> ouais, c'est vrai, j'ai vu ça. Je sais pas combien de matchs il y aura à faire, donc euh, ça va être compliqué. Euh... Donc voilà, bah, écoutez, on voulait, enfin, je sais pas. En fait, voilà, c'est un peu toi qui guide le truc. Je sais pas si tu veux expliquer aux gens ce que c'est avant la pause ou si on, si on fait ça après la pause. Et bah tout, là, on a, on a deux petites minutes. Oui, clairement. Oui, en, en gros. Euh... J'avais euh, cette idée moi, franchement, en voyant. Et je pense que c'était suite au, au live euh, Twitch euh, avec euh, Rastov, hein, si je ne dis pas de bêtises, il y en avait eu un. Ouais. Hein. Oui. Euh, je me suis dit, mais c'est incroyable, quoi, tout ce qui est, tout ce qui est fait, tout ce qu'on, tout ce qu'on crée un peu sur les serveurs euh, d'Atric. Et euh, j'ai envie de sortir ça et de les mettre, de les mettre en physique. Donc, il euh, y a plein d'idées qui me sont venues en tête. Euh, et de rencontre en rencontre, euh, on arrive à faire un, un live Twitch avec, euh, du coup, deux éditeurs. Et, euh, et on a plein de petites propositions à vous faire dans la deuxième partie de l'émission. Euh, si, ça, si ça vous botte et si vous voulez qu'on travaille ensemble sur un projet physique, euh, sur un, un livre, un magazine, je ne sais pas, ça c'est un peu ensemble qu'il faut qu'on qu le discute euh, pour, avoir, pour avoir quelque chose de physique de tout ce qui s'est passé d'avant, de maintenant et, et d'après sur, sur Atrique. Exactement, c'est ça. Et donc vous confirmez, uh, François et Simon, vous êtes dans une maison d'édition. Vous ne jouez pas à tric en plus, mais voilà, bah, vous êtes ouais, un sais. peu interpellé Oui, bien sûr. On... Alors on... c'est très juste, on... on a monté cette maison d'édition il y a quelques mois désormais. Et euh... Votre univers pour nous est complètement nouveau, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas il y a encore quelques semaines, euh... mais qu'on trouve pour le coup très intrigant, euh... d'où l'objet de notre présence ce soir. Euh, C'est un monde qui, qui regorge d'informations et quand Vala voilà, nous, nous a approchés pour, euh, bah pour expliquer l'idée qu'il avait, on s'est dit mais, mais carrément en fait il y a, y a beaucoup de matière, il y a un sujet qui est immense euh, et on s'est dit bah ouais il faut au moins qu'on qu essaie d'en parler qu'on qu puisse euh, étudier euh, ce qui est possible. Donc euh, pour l'instant en tout cas on se, sent, euh, on se sent très bien, on se sent très à l'aise, vous nous faites beaucoup marrer, les commentaires nous font beaucoup rire, donc c'est déjà bon signe, enfin moi ça me donne envie de bosser avec, avec vous. Oui. Il y a beaucoup de bienveillance dans tout ça, donc euh, on se dit que c'est chouette. Et donc après ouais avec plaisir de, de poursuivre la conversation pour savoir ce qu'il en est, ce que les gens peuvent éventuellement attendre de tout ça aussi, euh, pour qu'on puisse, euh, qu puisse progresser ensemble sur, euh, sur cette belle aventure clairement clairement non mais franchement c'est une bonne idée donc en gros voilà pour résumer ça serait éventuellement ouais, pour l'instant c'est une idée c'est juste un projet c'est juste quelque chose qui est comme ça dans l'air à voir si c'est possible de concrétiser ça dépend de vous c'est pour ça dans le chat et vous aussi si vous nous écoutez en rediffusion sur YouTube euh, quand on posera des questions n'hésitez pas à mettre en commentaire aussi euh, ce que vous pensez etc. donc en gros ça sera voilà l'idée de base c'est peut-être enfin éventuellement l'idée d'un livre sur trick qu'est-ce qu'on mettrait dedans comment est-ce que vous vous voyez la chose est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée tout ça c'est des questions qu'on va vous poser qu'on va essayer de voir avec vous donc, euh, c'est ce qu'on va voilà, voir en deuxième période. Et donc, moi, si ça vous va, on va faire un petit break. Euh, donc, on fait toujours comme ça, vous savez aussi, euh, François et Simon. Là, en fait, c'est la mi-temps des Juste matchs internationaux. La... Oui, Z. Juste avant la pause, effectivement, le Sénégal a mis un but face à l'Ouganda, ah, partout. Parfait, ça va là, doit être content. Mais c'est possible, on le match a commencé là euh... Oui, c'est chez les U21, oui. c'est la coupe. Oui, c'est oui, la coupe du monde. les 21 Tu, ah, -tu, oui, oui. ouais, tu m'as mis un doute là tout d'un coup, mais oui, oui je revérifie oui. ce les, les U21. Oui, parce que moi, c'est le match des A que j'ai assisté. C'est pour ça, ça j'ai eu un gros ah, okay. euh, bug mis, là. J'ai mis le U21, mince. <laughs> okay, je euh, non, non, mais il n'y a pas de problème. Bon. Mais ouais, c'est vrai que nous, du coup, le match il commence dans 13 minutes. Il y a Sénégal, Uganda, mais c'est rigolo qu'il y ait les U21, les A qui fassent exactement le même match. Ah, C'est vrai, j'avoue. J'avoue, j'avoue, quel hasard, en fait, dans ce cas. C'est peut-être pour ça que j'ai confondu aussi, que j'ai peut-être pas mis eh le train, Non, mais... ne vous, vous inquiétez pas. Mais, <laughs> mais du ça... coup, j'ai eu un petit coup de flip, là. Et alors, donc, voilà, nous, on va faire un petit break. N'hésitez pas déjà à dire dans le chat ce que vous en pensez déjà par rapport juste à l'idée, juste par rapport au projet. Donc comme ça, nous, on va vous lire aussi pendant, pendant le break. Donc vous dites déjà peut-être euh, ce que vous en pensez. Et alors, pendant la pause, j'ai fait euh, comme quoi on vous écoute. Hein. Franchement, on écoute toujours notre chat quand même. Euh, en fait, j'ai testé quelque chose, je crois que c'était Bullet qui avait proposé l'idée. Euh, faut savoir que sur YouTube, on fait des shorts, bien évidemment, et beaucoup de gens ne regardent pas spécialement les shorts, et, et c'est normal, on vous comprend. Et donc, j'ai essayé d'intégrer les shorts pendant la pause. J'ai aucune idée de ce que ça va donner. Donc, en fait, ça va être aléatoire. En fait, faut savoir que j'ai téléchargé tous les shorts qui ont été publiés sur YouTube. On a mis euh, les shorts dans un dossier et ça va les prendre de manière totalement aléatoire. Je ne sais pas du tout ce qui va passer, mais voilà, ce sera nos shorts de manière aléatoire. Dites-moi aussi ce que vous en pensez. On espère que ça va aller, que ça va vous plaire. Et j'espère surtout que mon PC va pas cramer parce qu'on sait que mon PC il a du mal. Donc, si en plus, là, il va... <laughs> ça va ça va streamer à fond dans tous les sens. Euh, on va tester ça, ok J'ai envie de vous dire à, à tout de suite. Euh, donc, euh, François et Simon, vers 21h, on se retrouve. Hein, mais de toute façon, on communiquera euh, hors antenne, il n'y a pas de souci. Et voilà aussi, yes. à tout de suite. À tout, à tout de suite. suite. Et Z aussi, bien évidemment, tout de ah, suite. Tout de suite, <laughs> oui, évidemment. Il y a eu ce, ce nom, Simon Toussaint. Simon Toussaint, je ne sais pas. Ça, ça a éveillé quelque chose en moi. <laughs> j'ai commencé à avoir des frissons. Je me dis, qui est ce type Pourquoi est-ce que j'ai cliqué sur ce joueur et pas un autre Je ne le saurais jamais. Je clique sur ce jour et que vois-je Il y avait tout un tralala sur le, dans le club. Je n'ai pas été vérifié, désolé pour ce manager. Je me demande si c'est Pascal Perli-Popette d'ailleurs. Je ne sais plus. Il nous confirmera, il nous dira si c'est lui. Oui, mais il y avait quelqu'un qui a, était en train de vendre le joueur et qui disait que euh, voilà, Simon Toussaint, on a assez. Simon Toussaint veut quitter euh, ce club. Et je regarde le, les transferts de ce joueur et que vois-je Mais des transferts, mais. Des... Des dizaines et des dizaines de transferts, ce pauvre gars ballotté d'un club à l'autre comme ça et qui revient, qui repart. Et je me suis dit, mais comment est-ce qu'il fait avec les appartements, avec sa compagne Ou alors il a plusieurs compagnes, mais comment fait-il euh, Donc, oui, c'est un message. De... L'ami Galwayan, je le prononce peut-être mal, je suis désolé. Galwayan, son anniversaire aujourd'hui, oui. on le redit une deuxième fois. <laughs> oui, encore bon anniversaire, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, j'étais mieux à ce moment-là, mais bon anniversaire à toi. Et donc, effectivement, bah, il nous demande qu'on qu souligne un peu le fait que euh, ben, euh, le, le 3 mars ça a démarré la Coupe des Animaux avec un Z, euh, et c'est quand même la 54e édition, donc euh, ben, bravo déjà à lui pour l'organisation de. De cette coupe et puis bonne chance à tous les partenaires. Attaquant costaud, quand il a euh, du buteur et de la construction, c'est euh, c'est un joueur qui peut marquer une occasion supplémentaire si euh, ton occasion échoue. Ouais, ça. Donc là, -bas, par exemple, si tu vas sur la finale, tu vois que à la 115 e j'ai euh, j'ai une action ratée et derrière il euh, y a l'événement costaud. Alors c'est pas un événement spécial, c'est juste un événement euh, classique, enfin un événement euh, un événement euh, tout court quoi. Euh, de de l'attaque en costaud qui euh, qui marque derrière donc il a besoin de buteur et de construction c'était casselec euh, qu'est-ce qu que ça veut dire d'où vient ce pseudo j'aime bien, bien poser cette question il y en a pour qui c'est simple comme courbis mais toi euh, j'ai beau gratter j'arrive pas à trouver je sais plus enfin hein, ça fait un moment que je et très longtemps que je me suis inscrit à attrick et... À l'époque, je l'utilisais un peu, et du coup, je l'ai gardé. Il n'y a pas de signification particulière. Voilà. J'ai cru que tu étais électricien, peut-être, dans la vraie vie. Et non, il n'y a pas de ça. Peut-être qu'il savait déjà qu'il serait ouais. sélectionneur pour le SELEC. Ouais. C'est vrai. Ouais. J'avais tout prévu. Ça, tout était prévu depuis le début. Ça, ça, va, ça va par vague en fait, ça dépend. Alors, déjà, on traduit tous les, tous les petits textes de tous les menus que vous voyez sur Atrix, sur le site. Donc, euh, on a une interface où, en gros, à chaque fois qu'il y a un texte de menu qui apparaît, bah, typiquement, euh, le nouveau simulateur de compos, bah, tu as pas mal de choses. Tout, euh, de, 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 de petits, euh, les petits menus, les petits, euh, les petits textes à côté de, de, des interfaces, des boutons que vous voyez, bah, en gros, c'est nous qui, qui les traduisons. Donc, ça, il y en, a, il y en a, il y a un flow qui arrive à peu près hein, tous les jours. Tout, euh, de, de, les 2-3 jours, quoi. globalement à chaque fois il y a des petits textes qui sont mis à jour, des fois aussi il y a des, des morceaux de manuels qui sont pas à jour, où il y a des erreurs, donc, euh, les acheter, les corriger et ensuite ils nous les envoient, euh, ça c'est du travail au, au quotidien on va dire, et puis sinon après il y a les annonces, toutes les annonces que vous voyez, bon, les annonces qui expliquent, bah, tiens il y a un nouveau simulateur de compo, euh, voilà, voilà ce qui est dedans, voilà ce qui fonctionne, euh, on les traduit, les, édito les, les éditoriaux aussi, ça c'est des trucs un peu plus longs qui expliquent par exemple. Mais voilà, là, ça apporte, ça apporte quand même le côté compétitif, le côté aussi bah, débuter une équipe dans une nouvelle nation. Enfin, il y a plein de trucs qu'on va pouvoir aborder avec, avec l'aide du chat. Parce que bah, même si j'ai quelques années d'expérience sur le jeu, les débuts de compétition, bah, en fait, c'est quand même assez loin. Donc je pense qu'on va tous apprendre beaucoup de choses. Exactement. Et c'est le but, en fait, tout à fait. Pour les nouveaux joueurs, c'est de, bah, de découvrir un peu le jeu aussi, qu'est-ce qu'il faut faire, ce à quoi il faut faire attention. On ne dit pas qu'on a la parole absolue et les invités non plus, mais c'est juste que les invités ont une certaine expérience dans certains domaines précisément, etc. Donc, en fait, on va en apprendre chaque semaine, en fait, suivant les managers différents qui vont venir. Qui vont venir pardon. Parce qu'effectivement, c'est ça le but de cette émission, c'est qu'en fait, chaque semaine, j'aurai un, un coach personnel différent qui sera un joueur expérimenté. J'ai bien vérifié que c'était bien le coach de l'Islande parce que je lui dis peut-être que je me suis trompé de personne et que c'est quelqu'un qui est en train de troller en fait je ne savais pas du tout et j'ai bien vérifié en anglais que ça voulait bien dire ça etc j'ai vérifié plusieurs fois il dit donc que pensez-vous de votre prochain adversaire l'équipe de France il nous répond la France est assez mauvaise mais leur manager est probablement encore pire avec deux mots à la suite ils ne pouvaient même pas être favoris contre la Slovénie avec un mode cependant ils ont la possibilité de jouer en pique ce soir et regagner du TS alors c'est cash bah, disons que je me suis dit Peut-être que c'est de l'humour, enfin c'est la question qui s'est aussi posée sur le forum, est-ce que c'est de l'humour ou pas, mais la France est assez mauvaise, mais leur manager est probablement encore pire, C'était assez violent, donc j'espère que c'était de l'humour. une tentative d'intimidation un, pour pousser euh, Kacélek dans le choix qu'il qu aimerait bien. Quelqu'un a dit ça sur le forum, c'est vrai. Il ouais. Ouais. Euh, y, y a souvent de ça, hein. Tu l'as joué à fond ou t'as fait tourner l'équipe Comment t'as fait plus ou moins euh... Ah, bah oui, oui, oui j'ai fait le gros sac, j'ai acheté, acheté des mercenaires, euh, des vieux mercenaires pour être sûr d'avoir <laughs> suffisamment de marge. Et voilà. <laughs> en gros, je m'achète un trophée, quoi, ça, un peu la Bernard Tapie. Ah, mais bah, c'est <laughs> beau, plus chaud. Oui, et puis tu te réchauffes en courant entre les stades, donc ça. Va. <laughs> Ah oui là effectivement là je, je, je ne dis pas la, la vitesse mais effectivement grâce à la magie de la fibre je me glisse dans une, une fibre entre les continents et je, je rejoins un ah. stade à l'autre. J'allais te poser la question comment tu faisais pour aller sur différents terrains, différents pays à la fois. Alors autant pour Allemagne, Bénin, la, euh, 5G, si... la 5G. Maintenant avec la 5G on fait tout. On a, on a okay. Internet plus rapide et du coup on peut se déplacer plus rapidement, en tout cas dans, dans la dimension où moi je, où moi je vis. Hein. D'accord, je pensais bêtement que tu avais une chaise qui était vraiment très 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 haut, mais vraiment très très haute et qui donnait en fait la vue sur les différents terrains. Mais en fait, ok, tu te... okay ça va. Non, non score, pour, tu la, pour la chaise, je suis en contact avec Ferrari pour me faire une chaise très rapide, mais pour l'instant ils ne veulent pas. Ok, d'accord, ok. Parfait, merci bah, pour ces informations un peu exclusives, quoi. comme ça on sait comment tu fais aussi vite entre les terrains. <laughs> Exactement, je suis... Un... Est-ce que vous êtes prêts? Ça, c'est le suspense. Attention, oh là, là. là c'est la loterie. On appelle. Allez, on va appeler Rachid. On va essayer proposer et c'est parti. Bonjour, d'apidu. Et oh, le oh chat. passable 15 ans, passable, mais on a de la chatte de ouf à fond. J'ai trouvé quelqu'un qui semble être un candidat très intéressant. Il a 15 ans, s'appelle Jean-Paul Sanogo. Très bien. À ce moment de sa carrière, ce joueur a un niveau de défense faible. Entraîner ce joueur correctement, il aura un niveau de buteur passable. Franchement, bon, il bon est bah, c'est déjà pas mal. Alors, il et a l'air peu de chance. On Peut avoir un technique euh, qui a pas mal de construction, qui a de la passe. Euh... Ah, il me plaît déjà lui. Il s'appelle comment JPS. Ouais, JPS, voilà. <laughs> Jean-Paul Sanogo. Je suis curieux de voir son âge. Tu vois, est-ce qu'il a 15 ans et 102 jours ou 15 ans et 13 jours tu vois On va voir. On l'accepte, ah, bien on évidemment. Verra, on verra. De toute façon, on acceptera dans tout. En tous les le... cas, je l'aime bien déjà. Que représente euh, CHPP dans ton pseudo Donc par rapport à la fonction, par rapport aux mots j'ai été chercher un bien, évidemment bien ce que ça voulait dire, mais peut-être juste expliquer ce que c'est CHPP, peut-être pour les gens qui ne connaîtraient absolument pas ou que ça ne leur parle pas du tout. Alors, le CHPP, c'est une, une partie de Hattrick euh, qui permet de créer des applications euh, connexes euh, au jeu. Euh, et donc, c'est un, un rôle officiel comme euh, un GM ou un LA comme Alpha. Euh, donc, voilà, euh, c'est un groupe de personnes. Et il se trouve qu'aujourd'hui, euh, ce groupe de personnes, bah, il y a une personne, c'est moi, euh, depuis un petit moment. Euh, alors, ça n'a pas toujours été le cas. Ce hein, euh, sont des, des, des officiels, on va dire, euh, comme les GM, mais qui, qui s'occupent uniquement euh, des applications euh, tierces. Ouais, donc les matchs, de coup, effectivement, sont en plein après donc euh, c'est pas évident. Donc là, de toute façon, euh, tout au long du parcours, euh, à suivre, c'était un bien grand mot, c'était surtout. Euh... De loin la notification euh, sur le téléphone. Là pour le match, euh, pour la finale. Euh, donc le, le début, j'ai suivi un peu comme ça et puis, euh, et puis euh, la, la dernière demi-heure euh, plus les prolongations puisque en fait il y a eu des prolongations aussi. Là euh, j'étais euh, un, un peu plus attentif euh, sur euh, le téléphone que sur euh, le travail. Euh, du coup j'ai décalé un peu ma journée. Mais euh, euh, voilà, sinon, c'est et voilà donc voilà notre nouveau logo et franchement il, est beau, il donne bien il donne bien. les trois les quatre auraient bien donné de toute façon hein, bien évidemment mais euh, franchement beau logo tu en penses quoi petit filou en tant que euh, adjoint euh, bah, c'est celui qui ça a été dit dans le chat hein, c'est celui qui représente le mieux la, le, le fait que ce soit un club communautaire de et j'aime bien l'arrondi du logo bah, ah, pour ouais. tout dire j'ai pas voté pour ce logo au premier tour ok mais j'ai voté pour ce logo au deuxième tour. Ok, ok. qu'elle Scalpus qui nous, qui nous dit euh, pour, pour acheter des webcams, alors on en a, enfin moi j'en ai, mais on préfère euh, plutôt que vous vous concentriez sur, sur, sur l'aspect texte, sur l'aspect euh, chat, sur, sur ce qu'on dit, plutôt que sur nos têtes, euh, parce qu'on n'a on pas tous des physiques très très propres. <laughs> Je tu vis ce qui mais, on... <rire> <Voilà>. <rire> mais vous avez une voix tellement sexe, les gars <laughs> Non, c'était juste pour, pour <laughs> préciser qu'on n'avait pas du tout prévu de mettre des webcams pour l'instant. De combien de pourcents baisse votre milieu en cas de contre-attaque Donc, quand vous cochez euh, le, la contre-attaque. Cher GD Vims, c'est là ça commence bien. Je vous remercie pour votre proposition d'arrangement sur le match de football, mais je, déclin... mais je dois décliner votre offre. Je tiens à souligner que j'ai un grand respect pour l'intégrité ah. du sport. <laughs> c'est pas mal. Et que je ne souhaite pas compromettre cet aspect important du jeu. En outre. Ah mince, ça continue. Ah, là, c'est peut-être un peu long. Je suis convaincu que toute tentative d'arrangement pourrait nuire à la réputation de l'équipe. C'est vrai. Des joueurs et des supporters. C'est parfait, quoi. Il est important pour moi. Que nous jouions de manière honnête et juste et que nous laissions les résultats du match être déterminés par les performances sur le terrain. Je suis désolé. C'est bien, c'est très bien. On a, on a quelque chose de, de concret. Je ne pas pouvoir accepter votre proposition. Est-ce que c'est ça le blob? <laughs> le blob, le blob, il est partout. Le blob, ah oui, c'est ça. Oui, oui, il y a une image. Il oui, ressemble... Attends, s'il ressemble à une plante, se nourrit comme un animal et se reproduit comme un champignon, le blob n'appartient pourtant à aucune de ces catégories. Donc, c'est encore pire. C'est un truc, on sait pas ce que c'est, quoi. Il est fantastique. Dire... Il... on sait pas serait... ce que c'est. Le blob. oui, en plus, il est capable d'apprendre. Il y a des machins où il y a... ils ont fait des ponts, enfin, des petits ponts, hein, etc. Et sur le pont, ils ont mis du sel. Et donc, le sel, ça va pas trop avec lui, mais il finit par s'habituer au sel pour pouvoir continuer à avancer. Pourquoi il avance parce que de l'autre côté du pont il a repéré qu'il y avait de la nourriture et donc il s'adapte à des tas de trucs etc. Enfin, c'est un animal mais vraiment très intelligent et très très... Et il adore la bière, oui effectivement <laughs> ils ont fait des tests avec la bière avec un bloc bourré et des blocs de <laughs> toutes les couleurs. Enfin je ne pensais pas que j'allais parler de ça. Ah, le bloc, c'est intéressant. intéressant. On en apprend quand même, c'est bien. Ah, cool. On apprend plein de choses. GM, donc déjà c'est Game... Et voilà, on a essayé de pas couper ces Z qui a donné l'idée de pas couper le short. Et il a bien raison. En plus, c'était pour entendre cochon star. Est-ce que ça vous a plu les shorts J'ai cru voir, en tout cas, que ça vous plaisait. Donc ça, c'est cool. Euh, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, n'hésitez pas. Euh, on met un short par jour, en tout cas, sur la chaîne. Donc euh, voilà, vous pouvez retrouver tous les shorts et euh, il y en a eu encore un midi il y en aura un demain midi après-demain midi etc donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube comme ça vous avez tous les shorts aussi et euh, ça sera aléatoire à toutes les pauses et il y en aura de plus en plus donc en gros c'est tout bénéf et comme je disais pour en finir avec ça si il y a un short imaginons vous étiez un invité euh, je sais pas vous vous avez entendu parler ça vous gêne etc n'hésitez pas à me dire je peux les supprimer aussi euh, voilà le but c'est pas d'embêter de, les gens si cochon on dit ah ouais finalement la séquence avec le blob j'aime pas trop tu peux le retirer je le ferai il <laughs> n'y a aucun souci bien évidemment même si franchement c'est voilà, des séquences assez drôles en tout cas et donc voilà, on est de retour avec nos invités. Bon, j'ai mis Vala parce que c'est le seul qui a voilà, un pseudo sur Atrique, entre guillemets. Mais on est avec Vala et Cicéron pour le projet communautaire, comme on avait dit, donc par rapport à la création éventuelle, enfin l'idée de création d'un livre en tout cas. Et, euh, et donc on a besoin de vous. Vala, je vais peut-être te laisser un peu guider le truc pour commencer, si ça te va Eh bah bien, ouais, carrément. Euh, Qu'est-ce que je peux dire pour compléter par rapport à, à tout à l'heure euh, Disons que moi, cette idée. Tout à la base, elle est venue du manuel non officiel où je me suis dit tiens ce serait rigolo, ça me ferait vraiment trop marrer de quand j'ai une petite question là sur quelque chose, je sorte un gros grimoire et paf toi je regarde je regarde ce qu'il y a dedans. Après comme je disais en discutant, en voyant ce que Rastoff avait fait, en voyant tout ce que l'indépendant produit et les présentations de matchs et tout ça, je me suis dit mais ouais c'est dommage des fois j'aimerais euh, ouais les avoir à les avoir à côté de moi, pouvoir les, les feuilleter. Euh, plein d'idées qui, 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 qui m'ont traversé l'esprit comme ça. J'en ai discuté avec, euh, avec quelques, quelques personnes et vraiment c'est ouais c'est comme ça que, que, que m'est venue cette envie de créer quelque chose de, euh, de concret, euh, de sortir du, du virtuel, comme euh, voilà d'avoir un, un petit bout de tout ce qu'on fait euh, ici euh, dans ma bibliothèque, dans un joli livre et, euh, et que bah, si quelqu'un euh, le prend, il puisse euh, comprendre ce qu'est Atrique et euh, pourquoi pas même se prendre au jeu de, de lire, découvrir les règles et de voir euh, tout ce qu'on fait finalement aussi en dehors d'Atrique et des matchs. Parce que les matchs, il y en a quelques-uns par semaine, mais je trouve qu'on produit beaucoup plus de choses à côté que, que les matchs en eux-mêmes. C'est un, un peu tout ça qui, qui m'a fait venir là et euh, la rencontre avec, euh, avec Cicéron euh, qui ont... Euh, Rendu ça encore plus palpable, même si c'est vrai qu'il y a des possibilités de le faire autrement. Ça a, ça a rendu ça encore plus concret. Une petite discussion avec Dapidu, et puis bah vous voyez où ça nous mène. Et on, on, est là. Là. on est là un vendredi soir. J'ai fait une petite faute, c'est Cicérone Édition. Autant pour moi, désolé les gars. Bon, pas... c'était <laughs> pas voulu, mais c'est vrai. Petite faute. Ah, vrai. Ça corrige direct. Non, mais ils ont raison. Mais ça montre qu'en tout cas, ils font attention à ce qui est écrit. Ça, c'est beau. <rire> Déjà, <laughs> Déjà peut-être demandez juste dans le chat, vous en pensez quoi de l'idée est-ce que l'idée, ah, parce qu'après c'est pas concret encore, il y aura quoi dans le livre, etc. Tout Sachant ça pour discuter. Pour mais... moi, en fait, l'idée c'est d'avoir quelque chose, un livre, je sais pas quoi, enfin un truc physique qu'on fasse ensemble. C'est-à-dire que c'est pas moi qui vais tout rédiger ré -ré euh, Moi, j'ai des, des idées de certaines choses que je mettrai dans les rubriques, mais surtout un peu comme le douzième homme, bah, on fait, euh, je sais pas, euh, le, le cicérone Edition Hattrick euh, euh, ensemble, quoi. Que euh, je sais pas, chacun dit. Euh, moi, euh, je, ferai... je me souviens de ce mandat euh, qui a été euh, incroyable. Bam, on fait ça. Là, je vois, il y en a pas mal qui parlent de BD. Ben ouais, carrément. Peut-être qu'on peut partir sur un truc de BD. Et Après, euh, je sais pas qui, coup, euh, qui, qui est capable de dessiner. Mais ouais. Du coup, je vais rebondir juste, comme ça, on va ouvrir un petit peu le, le débat. Donc, quand on a, quand on a rencontré François, pas Simon, François cette semaine pour un petit peu parler de l'émission, euh, il nous a dit qu'il allait faire un un google form qu'il a rédigé oui. que je vais vous partager et euh, je vous inviterai donc comme dit là vu que bah, c'est vos idées à répondre le plus possible ici sur le chat et sur youtube on mettra ça en description de la vidéo euh, et là vous allez trouver un questionnaire qui va vraiment vous demander euh, votre avis l'idée sur le format du, du bouquin et surtout vos idées ce que vous voudriez voir les rubriques vous pouvez rajouter il y a, y a des choix il y a, y a des choix prédéfinis il y a vos propres choix N'hésitez pas à compléter ça, parce que je pense que ça peut vraiment voilà. aider Vala et euh, François et ah, Simon, est qui, euh, qui sont là. Alors, voilà. juste est petite, pré petite précision. Juste et, petite précision. Et... Oui, vas-y Vala, peut-être. Bah, Est-ce que vous voulez avoir un portrait de Franck Harrison euh, dans votre mmh. bibliothèque C'est ça la question. Par exemple aussi, effectivement. Et alors, attends juste. Désolé pour la petite précision, mais je crois que c'est important pour les gens qui nous écoutent en rediffusion, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent en rediffusion plus qu'en direct. Euh, ce lien que Z vient de mettre dans le chat, il se trouve aussi en description euh, de la vidéo. Petite note à moi-même. Tu l'as dit. Ah pardon. Ok, j'ai pas entendu. Donc voilà. Ok, très bien. Et alors en description, tant qu'on y est, en commentaire, dites-nous aussi toutes les questions qu'on pose au chat. Répondez aussi en commentaire des vidéos. Hein. Est-ce que l'idée vous plaît Et puis il y aura certainement d'autres questions qui vont venir au fil de du, du on moment. Vous Donc, on, vous on vous lira attentivement. On vous lira clairement. On fera les informations, hein. bien sûr, à Vala et à et à, Cicero, Tout à fait. Enfin, à François et, euh, et Simon qui représentent les éditions Sixeron. Donc en fait, votre voix est super importante pour le projet. En fait, tous. En fait, le but c'est que tous ensemble, on puisse faire quelque chose de bien. Quoi. En gros, c'est un peu ça l'idée. Hein, Vala, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, euh, c'est moi, ça. Il moi, y a une phrase ouais, que j'aime euh... beaucoup de Casselac qu'il va falloir mettre dans le livre. Euh, <laughs> L'idée, c'est pour toutes les fois où votre femme vous dit :« J'en ai marre de ton jeu de foot, tu veux pas lâcher un peu ton téléphone ?» Ça il va falloir le caser dans le bouquin. Il <laughs> <laughs> bah, y, y a un peu un truc de comme ça. Moi, je vous avoue qu'il y a un peu un truc comme ça aussi qui sort derrière. C'est de dire, euh... en fait, c'est vrai que c'est très virtuel pour toi, mais f... regarde, regarde, ce qu'on est capable de faire avec la commu Et euh, si tu veux juste t'intéresser un tout petit peu. Essaye, essaye de, de dire peut-être le début de, de la chose qui présente ouais, le pourquoi projet pourquoi pas de, Non, mais pourquoi de, pas Ça serait plus palpable. Moi, il y a vraiment ça qui est derrière, Cassélec. Hein, je, je, je me retrouve beaucoup dans ce que tu écris là. En fait, après, tu vois, la question que j'ai envie de vous poser, euh, Vala et euh, Cicéron édition enfin François et Simon, l'idée, tu vois, en fait, l'idée concrètement, ça serait de toucher qui, tu vois, parce que en gros, soit c'est pour toucher la communauté présente et active actuellement, ou ça serait de toucher tous les joueurs au sens large même les anciens parce qu'il y a eu des millions de joueurs tu vois sur le jeu des francophones oui. il y a dû en avoir des centaines de milliers tu vois j'imagine avec tu sais, la grande période à l'époque ça fait 25 ans qu'il y a le jeu c'est vrai que tu vois tu pourrais aussi éventuellement toucher des gens qui ont joué il y a 10 ans et qui pourraient dire ah tiens un livre sur Atrix tu vois ça peut être faut voir oui, en fait quel public vous allez visé en fait mais moi quand j'en avais discuté avec euh, avec la team Cicéron c'était un peu euh, on fait une sorte de cagnotte participative Mmh. On regarde le nombre de personnes qui, qui participent. S'il y en a plus de, et je sais pas quel chiffre, et eh ben on peut lancer l'édition euh, du livre. On sait que ça sera possible sur le plan sur le plan financier. Et euh, en gros, il y a un livre par personne qui participe. C'était, enfin, moi j'ai pas okay, okay, de euh, okay. le truc en vente euh, et tout ça, c'est c'est quelque chose de de, de limité. Euh, Peut-être qu'on peut en tirer un petit peu plus. Euh, pour acheter Actu, pour en faire gagner, euh, et pour en avoir quoi sous coude s'il y en a d'autres qui en demandent, mais c'était vraiment... Euh, on va essayer de faire... Euh, voilà, on ne va, euh, va pas faire 300 tirages. Quoi. Ok, micro-édition. Le nombre de personnes... Champs, ouais. Voilà, une petite édition, micro-édition, euh, avec un participant... Enfin, on participe à l'avance, comme ça on est sûr qu'on rentre dans les frais, qu'il n'y aura pas de, de problématiques, pas de temps investi non plus par, euh, bah, par, par l'éditeur, pour finalement rien derrière. Et, euh, et on maîtrise tout, en fait, quand, quand, quand on fait comme ça. Je trouvais... Moi, c'était dans mon idée, c'était ce qui me paraissait le plus simple. Après, je ne sais pas, est-ce que... Est que François. Euh, bah, Qu'est-ce qu'ils qu qu oui, connaissent mieux, ce côté technique Peut-être oui, Effectivement, c'est vrai que nous, on, on, on se spécialise aussi dans, dans le livre sur mesure. C'est-à-dire qu'on on prend l'envie, on prend les besoins, et après, on, on, on essaye, on fait hein, un livre avec les demandes que. Qui nous sont fournis. En fait, euh, quand on a évoqué ce projet, c'était de se dire bah, ok, on, vous êtes sur un jeu virtuel, mais on peut créer un livre qui vous ressemble, qui parle de la communauté, qui parle des joueurs d'aujourd'hui, mais qui peuvent aussi parler des joueurs qui ont joué autrefois, et c'est aussi de parler aux joueurs qui vont jouer demain. Ce qui veut dire aussi que ce serait un livre dans l'idée que l'on peut créer pour ceux qui euh, sont familiers du jeu, mais aussi, bah, comme on dit en commentaire pour ceux qui, qui peut-être, regardent les joueurs d'un œil extérieur en se demandant pourquoi ils aiment ce jeu. Et ben, l'idée c'est que demain c'est de tendre un livre vers ces personnes là et leur dire Bah ben, voilà pourquoi j'aime ce jeu. Et en ouvrant ce livre là, on dit Ah, mais ouais, ok, je comprends pourquoi euh, il suscite autant d'intérêt, pourquoi il réunit des gens autour d'un live un vendredi soir. C'est de proposer vraiment un contenu qui reste dans mmh. la mémoire. Finalement, le jeu et dans le moment, il, il, il laisse peu de traces à travers nos mémoires. Donc là, c'est vraiment de décrire sur quelques lignes, quelques images, voilà, de se garder un souvenir euh, collectif de, de ce que vous faites. Et c'est franchement beau. Ok. Euh, et peut-être juste pour toi que les gens puissent réaliser un peu. Euh, je ne sais pas si on en a déjà parlé ou pas, mais qu'est-ce qu'il y aurait Je ne vais pas dire concrètement, mais tu verrais les choses comment Par exemple, là voilà, toi, dans le. Qu'est-ce qu'on retrouverait éventuellement dans le livre ou, euh... Moi, ouais, c'est vrai que dans, dans, dans mon imaginaire, c'est un, un beau livre. C'est vraiment un beau livre que peut mettre à côté de bah, dans sa bibliothèque, à côté d'autres livres euh, classiques, on, on dira sur le côté. C'est-à-dire, je ne vois pas spécialement un livre très flashy ou des choses comme ça. Moi, sur la couverture, mm -hmm. quelque chose finalement d'assez sobre. Euh, et à l'intérieur, je vois ouais, un peu dans des chapitres. Je ne sais pas. Le début, c'est qu'est-ce que c'est le jeu Qu'est-ce que c'est à trick Expliquer un petit peu euh, les mécanismes. Euh, du jeu, le, la temporalité, qui est quand même, je trouve, très particulière hein, sur euh, le jeu auquel on joue, qui, a, qui est un peu à contre-courant de, de, de pas mal de choses qui, qui existent. Vraiment une, une, une partie comme ça pour que quelqu'un d'extérieur, ouais, il l'ouvre, il lise et il comprenne ça. Et euh, ensuite une vraie, une part euh, histoire de ce que c'est la communauté française. Pour moi, ce livre, c'est hyper fier de, de tout ce qu'on fait et il y a plein de choses en fait que je connais pas non plus. Et ouais, j'ai avoir une histoire de la commune française, euh, d'expliquer dedans. Alors je ne sais pas sous quel format, sous quel principe, est-ce qu'il faut que ce soit une BD, je, je, je ne sais pas quoi, mais je voyais ça comme ça. Et une partie qui me fait rêver déjà, alors qu'on n'a pas commencé à travailler dessus, c'est un portrait des managers célèbres, un portrait des, des, des joueurs célèbres. Oh, je vois déjà le portrait de Siskouf, le portrait de enfin le portrait d'Apidu, de, 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 tout, de tout le monde en fait. C'est tellement de choses que, que, que je vois là-dedans. J'adore déjà cette partie alors qu'elle n'existe pas. Et euh, pour la fin, j'imaginais quelque chose, ouais, je sais pas, les, les, les poèmes, les chansons euh, qui sont épris, écrits par Cali Merlot, moi qui me rendent mes dingues à chaque fois, euh, surtout celles où il se base sur Orelsan euh, Bref, euh, les articles les plus famous peut-être euh, des anciens, peut-être même des inédits, je sais pas. Et euh, une dernière partie avec un coin jeu. Là, j'ai découvert euh, hier euh, le jeu proposé par Yajog le bingo. Enfin, C'est du génie. Donc je sais pas, c'est vrai que genre, ça fait peut-être beaucoup trop de choses, je ne sais pas ce que vous pensez, mais moi j'imaginais un peu comme ça, en, sur ces cinq, un peu segmentés comme ça, ces cinq parties... Alors, euh, pour... Euh... déjà, il y a des bonnes idées dans le chat. On va les lire après. Hein, mais, euh, Carrément, j'en bon. ai vu. <laughs> euh, il faut le traduire en anglais. J'ai même pas pensé à y des choses ça. comme ça. Moi. Ou avec 25 ans d'histoire, tu vois, il y a une histoire qui se perd un peu. J'aimerais beaucoup pouvoir Et lire les belles histoires old school, genre le FC Barentin. C'est Et... vrai que les anciennes mais... histoires. Mais, mais c'est complètement pas ça. Skyrim, ah, que j'ai envie de dire Skyrim. Le okay. FC Barentin, moi, j'ai découvert ça là, il y a une semaine. Enfin, c'est ça. Il y a Yoat qui dit qu'il faudrait demander des anecdotes de HTJohan sur la création du jeu, des trucs un peu inédits que personne ne sait, qui fait que ça peut aussi intéresser les gens, même ceux qui connaissent l'histoire, ils connaîtraient peut-être, rajouter encore des choses pour les gens qui connaissent encore l'histoire du jeu. N'hésitez pas à compléter le document. Oui, mais ça, on peut l'afficher, je pense, on peut l'afficher. Je l'ai affiché, je l'ai Non mais en fait, on avait dit qu'on l'afficherait à l'écran. Comme ça, on va le... Donc cliquer sur le lien que vous a envoyé, bien sûr. Juste info, ce que vous dites dans le chat vous l'avez pas dit dans le document, moi je suis en train de marquer tout ça dans un bloc-notes. Très bien. Ah, et j'enverrai ça après en privé à Vala et à François et Simon. Euh, euh, donc voilà, en tout cas, voilà le questionnaire. Euh, donc, on arrive, donc quand vous cliquez sur le lien, comme ça vous, vous, vous voyez comment ça se passe. On n'est pas obligé d'être connecté via Gmail au cas où, comme ça vous savez. Euh, moi je me suis déconnecté exprès justement pour essayer et tout ça. Donc, euh, et même si vous êtes connecté, euh, votre nom n'est ne pas, euh, pas divulgué. Quand même, le but, c'est que ça soit anonyme, bien évidemment. C'est ça, hein, vous confirmez, hein, Simon et François. Ça. Voilà. Ouais, ouais, tout de toute façon, ouais. c'est spécifié, spécifié que les noms ne sont pas partagés. Et donc voilà, donc on arrive dans le questionnaire, blablabla. Bla bla bla, donc ça explique un petit peu le projet, il euh, y a le lien vers votre site, etc. Ensuite, on clique sur Suivant, je vais le faire hein, comme ça. Et peut-être expliquer un peu le questionnaire, comment vous l'avez conçu et pourquoi, euh, quelles sont les différentes questions. Oui, ouais, bien, bien sûr. Euh, nous, l'idée, c'est de d'essayer de, d'avoir une vue aujourd'hui assez large de ce que vous désirez faire avec ce, avec ce livre. Euh, donc on est resté sur des questions très évasives qui sont notamment inspirées de la conversation qu'on a pu avoir ensemble voilà, la semaine dernière. Euh, donc c'est très simple, hein, en vrai en une minute, euh, deux minutes grand max, le questionnaire est, est bouclé. Euh, mais au moins ça permettait déjà de rassembler des idées, d'essayer de cerner quelques tendances vis-à-vis -vis de la conversation qu'on avait pu avoir la semaine dernière. Okay. L'idée, c'est que chacun puisse répondre clairement en fonction de ce qui l'intéresse. À chaque fois, sur toutes les questions, on a laissé une possibilité de répondre autre que ce que nous, on avait pu pré-indiquer. C'est-à-dire que les gens qui, euh, qui, qui regorgent l'idée, bah, qui n'hésitent pas à y aller, à foncer. Euh, si tu penses à ça, que tu veux mettre ça, que tu veux indiquer ça, bah vas-y. Euh, clairement, il ne faut pas se, faut pas se, se priver. Nous, l'idée, c'est qu'après, on pourra retraiter tout ça et dire « Ok, euh, bah en fait on a remarqué qu’il y a tant de personnes qui sont intéressées par tel sujet. donc ça on va peut-être le garder finalement. Euh, L'idée finalement derrière ce, ce questionnaire, c'est d'avoir un vrai outil collaboratif qui permet d'investir euh, chacune des personnes bah déjà qui participent à ce direct et des autres personnes qui sont euh, plus ou moins liées à, à Trick et qui pourraient euh, demain bénéficier aussi de, de l'édition de ce bouquin. Quoi. Et dans la construction du questionnaire, finalement, vous avez d'abord une première partie qui va être plutôt sur le contenu, hein, sur le fond, et dans un second temps, plutôt sur la forme, euh, ou de manière très concrète, hein, à quoi va ressembler le livre, quel format vous voudriez. Euh, et donc de, de tout ça, de toutes vos réponses, on va pouvoir dégager cette tendance, comme disait Simon, bah pour ensuite, prochainement, vous proposer des maquettes et avancer sur le projet, si jamais... Euh, voilà on sent que euh, plusieurs personnes sont réunies autour de cette envie ok donc voilà notamment la, la première question on peut voir par exemple de, de dire euh, de quoi est-ce que vous voulez qu'est-ce qu'on peut retrouver dans le livre par exemple donc euh, c'est ce qu'on a dit justement euh, ce que Vala a expliqué juste avant donc, ça c'est un peu la première idée euh, vous pouvez aussi donc comme vous avez dit ça c'est bien effectivement euh, que les gens peuvent aussi proposer des autres choses bien évidemment donc ça c'est intéressant. Euh, je, vais, je vais à la question suivante. Est-ce que je suis obligé de répondre, c'est ça Parce que j'ai pas en, en fait j'ai envie de pas de foirer les réponses. De le faire insulter. Ah bah écoutez, je peux le faire, mais bon, qu'est-ce que je veux qu Qu'est-ce que, que je veux qu avant, de, avant de le soumettre, il te gardera. Ah oui, marre. ok, tu, ok. Tu pourras envoyer euh, définitivement. Euh... Parce que je le refais de mon côté ensuite, en vrai. Après. Je le refais de mon côté peux en vrai. Que oui, ça. Je vais ouais, mettre juste mais autre, mais c'est. Ouais, à la fin, tu valides pas définitivement ça va, et ça on okay. verra pas les réponses. Ouais. Ouais, est-ce que je le ferai par après, bien évidemment. Tu vois, faut que je réfléchisse aussi un peu, que je me pose un petit peu. Donc voilà, euh... cette question est obligatoire. Attends, ah peut-être que je dois quand même mettre une autre réponse. Ah oui, ok. Ouais, je je une je autre. Ok. Il faut que tu tapes euh, dans autre, ce que tu. Euh... Ah oui, c'est vrai que j'ai pas tapé. Effectivement, t'as raison, c'est ça. Mais c'est pas grave. Voilà. Donc là, j'ai passé. Donc après, sur la deuxième page, enfin, on va dire la prochaine série de questions. Donc nous avons quoi bah, je vais peut-être vous laisser euh, effectivement expliquer peut-être plus en détail. Donc la seconde série de questions, c'est plus sur la forme du bouquin et donc moins sur le contenu. Euh, quelle forme Tout à l'heure, euh, Vala je crois, ou je, je sais plus, j'ai du mal à reconnaître vos voix, euh, parler de la bibliothèque, dire tu vas avoir le bouquin dans ta bibliothèque, euh, bah, à quoi tu voudrais un peu qu'il ressemble Ce qui nous pourrait aussi nous permettre derrière de commencer à, à penser à une mise en page, à une mise en forme, dire ok, en fonction des premières idées que vous nous soumettez, euh, le fond pourrait l'adapter sur tel, tel format, donc du A4, du A5, du A6, avec une couverture comme ça. Ça euh... correspond à quoi ah. déjà A4, A5, A6. A4, A4 dire... c'est une feuille de papier. A5, tu la A5, prends, tu la plies en deux. Une feuille de papier, okay. tu... ouais, Et A6, tu coupes en deux le A5. En fait, tu divises par deux à chaque fois. C'est ça. Ah, donc, si aussi vous, aussi vous voulez du A0, de vitesse, demandez aussi. De toute façon, il ouais. y, y a les dimensions en centimètres au cas où. Hein, pour, si ouais. tu veux aussi un peu. Mmh regardez mais euh, ok ok donc le format ça c'est pas mal quel type de couverture donc souple ou rigide ok ah, c'est vrai que c'est intéressant c'est vrai que c'est des questions tu vois nous on pas y... enfin, quand on n'est pas dans l'édition on pense pas spécialement à ça et c'est vrai que en fait il y a deux types on va dire en, en quelque sorte de de, mmh. de couverture est-ce que... Donc juste peut-être pour repréciser, parce qu'il y a souvent des gens qui arrivent vers cette heure-ci, qui nous rejoignent, je vois qu'il y a un peu plus de spectateurs de nouveau. Donc voilà, en fait, Vala a eu une idée euh, d'un projet un peu communautaire, en fait, de création de livres sur Atriq. Et donc en fait, on a mis un lien euh, au-dessus, vous pouvez remplir un petit questionnaire pour voir un peu vos avis par rapport à un éventuel livre sur Atriq, en fait. C'est un peu l'idée. Et en fait, on, on prend un peu la température avec les gens pour voir si c'est réalisable, si, si vous avez des idées, si comment mettre ça en place, etc. J'adore l'idée de Skyrim de retrouver euh, tous les plus grands cas de triche. <laughs> j'ai vu ça. Après, la a dit pour donner des idées pour le 10 crédit, mais bon, ça peut-être pas. quoi. <laughs> euh, donc, quel type de couverture okay. Combien de pages, effectivement Ça, ça peut être une bonne question. quoi Est-ce que le livre. Ça, c'est dur à dire, parce que bien évidemment, tu vois, ça dépend, j'imagine, tellement de. Les différents chapitres qu'il y aura, mais effectivement, est-ce que c'est plutôt, en gros, est-ce que c'est plutôt un livre bien épais ou un petit livre Est-ce que c'est est Ouais, ouais, l'idéal, l'idéal est surtout là, en fait, euh, parce qu'aujourd'hui, tant qu'on n'a pas le contenu exact, c'est très dur de dire on va faire euh, 50 pages, on va faire 200 pages. Et pareil, la, la taille de la page va dépendre aussi parce que quand tu as du A4, tu peux mettre beaucoup plus de contenu que quand tu prends du A6. C'est vrai, ouais. Donc en fait tout ça c'est plus peut-être un ordre d'idée derrière de se dire ok si les gens répondent plutôt 100 ou 50 pages ils voient peut-être un petit format quelque chose d'assez léger au contraire s'ils répondent 150 ou 200 ils vont voir un truc un peu plus costaud donc après c'est vraiment une vision un peu comment les gens imaginent un peu tout ça quoi de la même manière que on va le voir plus, plus, un peu plus loin dans le, dans le questionnaire mais si on souhaite qu'il y ait dans le livre beaucoup d'illustrations à savoir que des illustrations, il vaut mieux un format qui soit assez grand plutôt qu'un format très petit comme le A6, euh, puisque sinon les, les illustrations, on les, verra, on, les, on les verra très mal. Donc euh, ça nous permet, ce questionnaire, justement, de, de voir aussi bah, les attentes. Et puis bah, en fonction de vous, ce que vous avez imaginé, bah, derrière nous, de, de, de voir, en fait, d'affiner le projet, de vous dire bah, attention, si on, on, on veut plutôt un livre. Euh, qui soit bien illustré avec peu de texte, bah plutôt du grand format. Si on veut vraiment du contenu qui laisse un beau souvenir, eh bien, euh, plutôt un, un, un format traditionnel euh, qui ressemblerait euh, à des formats qu'on trouve en librairie comme les, les formats romans euh, ou alors un format entre deux. Nous, c'est vrai que chez Cicéron, on fait beaucoup de A5 qui est, euh, qui est un format, je trouve, un bon médium pour avoir, pour avoir à la fois des jolis textes et en même temps des jolies photos. Okay. Oui. Bah, je ne veux pas vous orienter sur le questionnaire, mais, euh, mais souvent en tout cas sur le rendu, euh, pour vous aider, euh, pour vous aider euh, ouais, c'est pas mal. permet de rebondir aussi. Là, je, je, je viens de lire tout juste un commentaire de, de yacht qui dit que le format va changer le prix du livre. C'est très juste, euh, tout comme le nombre de pages. Euh, Aujourd'hui, on ne propose pas de, de prix parce que justement, euh, la fourchette peut être très large dans le sens où euh, si on part sur du A4 avec 50 pages, ça n'aura peut-être absolument pas le même prix que du A6 avec 300 pages. Euh, donc, ça pour l'instant, on ne peut pas trop s'engager, mais c'est vrai que c'est un truc euh, qu'il faut, qu faut garder à l'esprit, ouais, tout à fait. Ouais. Euh, maintenant, aussi, c'est vrai que je n'ai pas vu dans le, dans le questionnaire ce qui serait pas, bon là c'est peut-être un peu tard quoi qu'on peut faire un petit sondage rapide mais ça, il y aura peu de gens, euh, voir un peu combien les gens sont prêts à débourser aussi. Parce que ah oui, c'est subjectif d'une personne à une autre. Ouais, vrai. Donc Moi ce que je vous propose c'est peut-être de corriger, bon on, a, on aura une dizaine de, de votes en plus, qu'on lance un sondage maintenant. Le chat s'il vous plaît vraiment prenez le temps. De participer ça, parce que finalement c'est vous qui allez payer si ce livre sort et on va tous mm. espérer ah, c'est vous c'est euh... les gens qui veulent payer bien évidemment enfin, voilà oui c'est vous voilà, qui on vous force et... pas on vous force et vous dans pas le vous mettre, euh, je ne souhaite pas participer ou ça m'intéresse pas ça aussi ça. bien sûr euh, je peux mettre je peux mettre jusqu'à 5, euh, 5, 5 5 okay. 5, euh, 5 choix donc on fait quoi on met 10 20 euros une tranche de 10 à 20 euros par exemple euh... ouais euh... c'est ça ouais 10 20 10-20, euh, 20-30. Bah pourquoi pas 0-10, 10-20, 20-30, 30-40, tu vois. Oui, éventuellement. c'est bien. Et bien. Euh, ne participe pas quoi. Et à, ne participe pas, pas intéressé. Ou pas intéressé. 0-10 en toute honnêteté. Ouais, c'est. Je ne crois vrai. pas oui, non, parce que parce qu'en dessous de 10 euros clairement. Euh, ça le fera pas. Ça ne peut pas. Non bien sûr, bien sûr. Donc on va rester voilà au pire si ouais. vraiment, vous dites que vous voulez ouais, pas participer. Pense, un, un minimum c'est au moins 20. Un minimum on est au moins 20 euros hein. Que très clairement. Okay. Je pense que mais euh... Dans ce cas-là, mettre 15-25, 25-35, 35-45. Vraiment, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. vraiment. Donc, euh, ben moi j'avais 10-20, ça va pas. 15-25 plutôt. 15-25, ouais, ouais. 25-25, 35, 25-35. Et on va mettre plus que 30 euros, je pense. En fait. Et le Congo plus qui met a un deuxième 5. but. Je vais juste dire, euh, précision, ouais, le Congo qui met un deuxième but. Oui, en le Congo France. a mis un deuxième but. L'Andorre oh, a pas mis ouais, un pas de but chance, face ça. à la Belgique aussi. Il y a eu pas mal de choses pendant qu'on discute. Hein. L'Andorre qui a égalisé face à la Belgique un partout. Et le Bélarus qui a égalisé face à la France. Euh, enfin, qui a égalisé, pardon, qui a mis un but à face à la France, mais la France domine toujours avec 3-1. Voilà, donc revenons à notre sondage. Euh, quel prix pour le livre Je ne peux pas mettre trop long, donc quel prix seriez-vous prêt à mettre pour le livre 10-25 euros, 25-35 euros ou plus de 35 euros Ou euh, je vais mettre ne se prononce 15, pas 15-25, 15-25, 15-25, euh... 25-35 voilà. et plus de 35 euros. Très bien. Là, voilà, on va mettre ça pendant 5 minutes le temps. Vous êtes une vingtaine ouais. normalement avec nous, je pense, donc euh, n'hésitez pas à dire en tout cas. Et euh, c'est calme hein, dans le chat, J'espère qu ré... peut-être que les gens répondent au formulaire, en fait. <laughs> c'est pour ça que c'est très calme. <laughs> donc voilà, il y a le sondage Alors, donc, qui est actif. Il y a donc, le euh, sondage allez, qui allez. est affiché, si vous ne le, euh, si le voyez pas, au pire, dites-le dans le chat, on, on consolidera les... les données après. Donc... Je ne vois toujours personne qui... C'est normal, il y a toujours un petit bien. délai, il hein, y a toujours un petit délai de 10 secondes. Donc, ah, euh... voilà, oui, ok. Là, ça répond déjà. Donc voilà, il y a quelques. Ah, c'est vrai que je peux afficher les sondages maintenant. Ah, mais je ne l'ai pas sur cet écran. Désolé. Bon, euh, attendez. Je vais peut-être voir. Je vais, je le garderai. Non, mais c'est vrai que maintenant, j'ai découvert comment euh, afficher les sondages. Je vais <laughs> l'afficher rapidement. La, la n'hésite pas aussi à répondre. Hein. Ouais. Attends, j'ai juste affiché le sondage rapidement. Comme ça, les gens qui nous regardent sur YouTube, ils ont aussi les résultats du sondage, bien évidemment, et vous aussi. Pas mal. Et je suis assez fier, en tout cas, des, des sondages qui s'affichent sur l'écran. C'est quelque chose qui était très embêtant avant. Écoutez déjà on a une petite tendance en tout cas euh... Donc quel prix vous seriez prêt à enfin, jusqu'à quel prix vous seriez voilà. prêt à débourser hein, en fait prix, vrai qu on a quel prix pas... seriez-vous prêt à mettre pour ce livre voilà donc entre 15 et 25 euros Entre 25 et 35 euros euh, Plus 35 euros aussi euh, très riche et puis ne se prononce <laughs> pas donc c'est voilà c'est euh, vous ne vous sentez pas concerné par l'idée euh, Vous avez le droit de le dire de toute façon c'est anonyme On ne voit pas qui vote quoi, il hein. faut le oh, savoir non, on, ne, on ne voit pas qui vote quoi. Bonsoir à tous, j'arrive à la bourse. Salut, Dame le Malmouleux. Alors, toi, t'arrives. À mon avis, ça va être dur à comprendre là tout de suite, mais on te redira. T'inquiète, on t'expliquera bien évidemment. Euh... En gros, <laughs> ça, par... ça parle d'un futur livre sur, euh, sur trick. Et si tu serais intéressé pour l'acheter le jour où il sort, on, te... on... on expliquera après où tu pourras écouter le replay. Quel prix serais-tu prêt à mettre Et Il nous faut un maximum de votes. Donc voilà, là, on en a pour 5 minutes, donc on peut parler d'autres choses aussi, ceci dit. Oui, ah, moi j'avais peut-être euh, une petite question parce qu'en en fait, je me suis dit, il y a peut-être un truc qui n'est peut-être pas très clair pour les gens et c'est normal, c'est qu'on ne vous a pas vraiment présenté. Enfin, est-ce que vous pouvez nous présenter peut-être votre maison d'édition Qui est-ce que vous êtes Enfin, c'est quoi votre maison d'édition Est-ce que c'est une grosse maison d'édition Est-ce que c'est une petite taille humaine Est-ce que tu vois, voir un peu tout ça peut-être pour que ce soit plus clair pour les gens Bah oui, merci pour ta question. Oui, avec grand plaisir. En fait, euh, c'est François qui parle. Ok. Euh, on a commencé assez récemment, en fait, au mois d'octobre. Euh, à la base, j'ai fait pendant presque dix ans de de journalisme euh, à travers de portraits auprès de, de, de médias culturels français. Et puis euh, en fait j'ai toujours été intéressé par forcément l'écriture et, et aussi le monde de l'édition. et euh, il se trouvait que Simon, euh, qui, qui, qui est un ami aussi depuis une dizaine d'années euh, lui aussi écrivait et euh, me faisait part d'une expérience avec des maisons d'édition qui n'était pas toujours très agréable parce que, en fait, finalement, les processus d'édition étaient assez obscurs, euh, parfois malhonnêtes, il faut le dire. Et, euh, et pendant des mois, on en discutait et, et, et c'était un constat qu'on se faisait tous les deux sur le monde d'édition qui, euh, qui, en France, n'est. N'était pas toujours très engageant. Et, et en fait, on, on s'y est intéressé, on s'y est penché pendant, pendant un moment dessus. Et puis, on s'est dit, bah en fait, euh, on, on, on va le faire notre manière on va, on, on va monter la, notre maison d'édition avec une approche plus artisanale, plus respectueuse des auteurs, avec une meilleure rémunération notamment. Et, euh, et pouvoir, aussi, enfin, pouvoir faire aussi des, des livres sur mesure, ce qui nous paraissait être hyper important, puisqu'on a tous nos envies, tous nos besoins. Et, euh, et moi personnellement, c'est bizarre comme passion, mais moi j'adore le papier. Et euh, mêlé à cela euh, la passion du texte, la passion du livre. Et, euh, et un jour, j'ai dit à Simon, bah écoute, euh, je vais devenir ton éditeur, euh, je vais travailler à 100% sur ton projet. Simon s'y est pris au jeu. Et finalement, on a rencontré d'autres auteurs et, euh, et on a mis le pied à l'étrier. En fait, euh, il y avait des demandes, il y avait des besoins et nous, on s'est fait un plaisir de, de, de travailler là-dessus. Et c'est pour ça que notre maison d'édition est vraiment officielle depuis le mois d'octobre, okay. euh, même si on a travaillé un petit, un petit moment avant, euh, avant dessus, en tout cas surtout moi de mon côté. Mais, euh, mais notre histoire est surtout faite d'un constat euh, dans le monde de l'édition. Et, euh, et aujourd'hui, bah, c'est vrai qu'on grandit peu à peu, mais on, on aime bien travailler, comme dit souvent Simon, euh, à échelle humaine, euh, avec u, u, une approche qui est beaucoup plus respectueuse. Mmh et surtout transparente, c'est-à-dire que nous, tout le processus d'édition qui est obscur, c'est normal, ce n'est pas un métier qui est très connu, nous on rend tout, tout transparent, euh, chacun de nos auteurs ou chacun des gens qui participent à nos projets euh, sont au courant de, de, de tout ce qui se fait. Euh, alors là, ça vous paraîtra un petit peu abstrait, mais, mais par exemple, il y a une notion auquel j'y tiens, c'est que chez nous, quand on signe un auteur ou quand on signe un projet, euh, nous, c'est vrai qu'on a une petite échelle, dans les, dans les contrats que, que, que l'on fait signer, si jamais un auteur a envie un jour d'être signé dans une grande maison d'édition ou de, de pouvoir pousser son projet au plus loin, et bien il est tout à fait droit en fait. Chaque, chaque auteur est entièrement euh, propriétaire de son projet. Nous on, nous, on est juste un pied à l'étrier, si vous voulez. Okay. Simon, est-ce que ça te convient Oui, me... oh ouais, clairement, j'ai rien à rajouter euh, à rajouter là-dessus. Si je Peut-être insister sur notre credo euh, notre, ou notre slogan, je ne sais pas comment dire, où on aime bien dire aux gens qu'on qu publie ce qu'on aime, euh, parce que ce qui nous anime avant tout, en fait, c'est la passion. Je pense que François l'a très bien traduit au travers de ses propos. Et euh, on a pris le pli de ne pas forcément s'orienter sur un certain type de littérature. Euh, mais en revanche, d'avoir quelque chose d'assez disruptif et de dire, bah ouais, ok, on s'intéresse en fait à ce qui nous plaît. Et aujourd'hui, bah, votre milieu, euh, parce que le contact qu'on a avec euh, Vala est, est très chouette, parce que quand on vous voit communiquer, bah, ça donne envie d'en en savoir plus. Euh, on se dit, bah ouais, ok, ces mecs-là, on veut bosser avec, euh, euh, on a envie d'aller plus loin et de voir ce qu'on peut faire parce que c'est un projet qui a l'air complètement intéressant, en fait, c'est un, un super challenge. Euh, on va pouvoir en apprendre beaucoup et puis on va pouvoir aussi euh, bah, aider votre communauté finalement à tirer quelque chose de physique euh, qui sort un peu de ce gond numérique euh, dans lequel est, est actuellement votre plateforme. Quoi. Donc euh, c'est donc ouais, un, un, euh, un chouette projet auquel on croit euh, et auquel on a envie d'appliquer les, 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 les valeurs de notre maison euh, à 100%. Quoi. Et alors je vois euh, Yo qui dit est-ce que vous jouez à trick mais non effectivement c'est ce qu'on avait dit au début hein, c'est que vous ne jouez pas à trick ouais. en fait vous découvrez là ces derniers jours vous avez un peu découvert ce que c'était à travers voilà et à travers l'émission, etc et euh, vous êtes en train de découvrir un peu ce monde justement et euh... pour être tout à fait sincère ouais. d'ailleurs c'est que euh, en préambule en début d'émission euh... Simon me, me regardait et me disait, mais je crois que je vais, je vais vraiment y jouer. Quoi. Il, il avait l'air très emballé. <laughs> on espère. Vrai, au, au passage, je, et, et nous-mêmes d'ailleurs, hein, si, en faisant ce projet-là, euh, on ne se voit pas euh, éditer euh, un livre sur votre communauté sans ne serait-ce que faire l'expérience du jeu. Quoi. C est, c est, c est, c est, je pense à un passage obligatoire on, on, on veut découvrir. Ouais, et vous serez les bienvenus et on sera là pour vous aider, bien évidemment, au début, de toute façon. Et il y, y aura <laughs> même le douzième homme pour vous aider. Oui, c'est vrai, ouais. c'est vrai, un concept qu'on a fait avec ouais, c'est Qui permettra ouais, de, de bien vous mettre le pied à l'étrier. J'ai vu une question de Alpa, je crois que vous n'avez pas et... répondu. Combien vous avez édité de livres jusqu'à maintenant Ah, ça c'est récent, donc... Euh, Est-ce que vous en avez déjà édité beaucoup Alors, de manière officielle, on a cinq ouvrages. Ah. En fait, euh, notre maison d'édition, elle se situe sur... Euh, deux types de, type de livres, c'est-à-dire le, le, le projet public, c'est-à-dire effectivement le livre que l'on crée et que l'on vend pour tout le monde, c'est-à-dire qui est disponible sur notre site internet. Il y a aussi euh, une autre facette, c'est ce qu'on appelle nous le livre privé, c'est-à-dire que des gens viennent nous voir euh, pour concevoir un livre et ça reste dans un cercle privé, c'est-à-dire que on, mmh. ces personnes-là qui viennent nous voir pour éditer un livre, eh ben on lui procure ce livre, on lui fabrique ce livre, et ça ne sera pas disponible sur la plateforme, ça restera mmh. juste entre lui et nous. Okay. Comme ce qu'on fait là, en fait. Exactement. J'ai envie de vous reposer peut-être une question, parce que je crois que je vous l'avez posé euh, hors antenne quand on avait euh, parlé hier, mais c'est bien d'en discuter pour tout le monde et tout ça. C'est à partir de combien de livres est-ce que le projet est faisable techniquement J'imagine que ça dépend de plein de paramètres, de la forme du livre, de la taille, etc. Mais on va dire de manière générale, une petite fourchette, tu vois, il faudrait combien de livres éventuellement pour que ce soit possible et réalisable euh... Il n'y a pas vraiment de réponse dans le sens où euh, si demain tu veux qu'on travaille pour un seul et unique livre, on peut le faire. Okay. C'est juste que ça va coûter très cher parce que ouais. rapporté au prix du livre, du coup ça va pas être rentable. Donc la, la question elle est plutôt comme ça en fait. Mmh. Euh, si demain tu as une cinquantaine de commandes, ça reviendra un peu moins cher parce que nous le, le travail qu'on va proposer derrière on le fait pour 50 bouquins et pas pour un seul. Donc du coup le, le coût tu le répartis sur ces 50 bouquins. Et okay. pareil au niveau des, des frais d'impression, quand tu commandes 50 bouquins, euh, ça te coûte moins cher que quand tu en commandes un seul, puisque tu as les économies d'échelle qui se mettent en place euh, et qui permettent d'avoir un coût à l'unité qui est moindre. Mmh. Donc en soi là-dessus, finalement, on n'a pas de limite, il n'y a pas vraiment de barrière. L'idée c'est que... On en fasse le plus possible sans non plus tomber dans l'excès parce que l'idée c'est pas de se retrouver avec des stocks sous les bras et de dormir sur des cartons de livres euh, ça ça intéresse personne parce que c'est un peu de l'argent jeté par les fenêtres même si c'est toujours plaisant de déballer des cartons pleins de bouquins surtout quand c'est les dents et, euh, mais l'idée c'est d'être au plus juste et c'est pour ça que les projets privés c'est quelque chose qui est aussi très intéressant parce que vous parliez de cagnotte, ce qui peut être sympa, c'est de dire à partir du moment où on a, on a décidé du canon du bouquin, c'est-à-dire qu'on a les grands axes, qu'on sait grosso modo qu'il va y avoir tel nombre de pages, euh, que du coup il va nous coûter combien, bah, demain tu peux monter une cagnotte pour dire aux gens, bah, voilà, du coup à l'unité, le livre il revient à temps, euh, qui est prêt à participer, d'autant plus qu'avec le sondage que vous venez de faire, on a une échelle tarifaire qui permet aussi de se fixer par rapport à ça, donc c'est chouette. Vraiment Okay, et euh, du coup, si vous créez une équipe, on pourra euh, un peu la discussion qu'on fait là, on pourra la faire sur les, les, le forum euh, France. Enfin, vous pourrez euh, comme ça, peut-être, euh, ouais, interagir avec les gens. Et puis, parce que euh, l'idée, c'est vraiment qu'on le fasse aussi euh, tous ensemble. Ça, vous pensez que vous pourrez, euh, pourrez faire ça Répondre aux questions des gens directement sur le forum euh, d'Atric Complètement. D'ailleurs, sans vouloir entrer trop dans le détail technique, c'est que euh, dans le monde de l'édition, il existe. Habituellement, deux grands types de contrats, ce qu'on appelle le contrat à compte d'éditeur, l'éditeur prend tout en charge, et grossièrement, le contrat à type hein, d'auteur, où c'est l'auteur qui prend tout en charge. Nous, depuis le début, on a une règle, c'est que tout est collaboratif, c'est-à-dire qu'on fait tout 50-50, euh, c'est-à-dire que euh, les frais sont pris autant de notre côté que du côté de l'auteur. Okay. Ce qui veut dire que euh, cette idée de collaboration est va jusqu'au bout et donc être euh, là avec vous sur le forum, prendre en compte tous vos avis. Vraiment, nous on tient à ce que le livre vous ressemble. En fait, c'est okay. vous les chefs, c'est vous qui nous dites okay. et nous on fait et on essaie de faire au mieux. Et euh, c'est okay. tout ça. C'est vous qui connaissez le livre que qu qu nous allons faire. Ok. Mais si du coup on fait un, un financement participatif, qu'il y a, allez. 35 personnes, 40 personnes qui disent euh, ⁇ Moi, ouais, je suis hyper chaud, je veux un livre, je veux mettre 25 euros et on fait, on fait un truc avec 25 euros en donnant les axes qu'on a fait. Euh, du coup, euh, je ne vais pas faire 35 fois 25, de tête. que euh, je vais paraître ridicule. Mais bref, on a cette somme d'argent et on fait quoi Ça, on vous le donne et vous, avec ça, vous faites les livres et euh, vous les envoyez aux au gens derrière. Exactement. Exactement. D'accord, donc il euh, faut qu'on compte par contre les frais postaux aussi dedans alors Nous, nous on, vouloir, on inclura euh, dedans en fait euh, dans les frais, hein. c'est-à-dire que euh, une fois qu'on va monter la cagnotte, le prix à demander à chacun des participants sera le prix final, il n'y aura pas de prix ajouté. Ok, euh, du coup tu vois là, tu vois on a des managers qui sont au Canada et en Belgique, est-ce que ça, ça a fait changer beaucoup Ah bah c'est une bonne question, merci, bah, non, bah, bah, effectivement non. au contraire… Pour les frais de port tu veux dire Ouais, pour les frais de port peut-être... Eh ben, euh... Alors figure-toi que ça leur coûtera beaucoup moins cher que, que de faire envoyer en France. D'accord. Euh, la poste, ah. elle a une tarification assez loufoque. Elle a une offre qui s'appelle euh, Pli et... C'est le livre euh, brochure. Livre, ouais, livre et brochure. Ok. Donc l'objectif de la poste, c'est de... Alors ça, c est, c est... moi ça me fait marrer d'en parler à chaque fois de ça, parce que je ouais, trouve que c'est hallucinant. Hein. Fou. Mais euh, en gros, l'objectif de la poste, c'est faire... de faire rayonner la culture française à l'étranger. Okay. Donc pour okay. ce faire, il y a des tarifs... Non, non, mais c'est le discours qu'ils ont, hein, c'est incroyable. Euh, ils, ont mis, ils ont mis des tarifs euh, incroyables pour euh, l'envoi de livres et brochures à l'étranger. Donc C'est-à-dire que demain, euh, on vend un, un de nos bouquins, on l'envoie en Belgique, ça nous coûte un peu moins de 2 euros. On l'envoie, on est basé à Rennes, on l'envoie à, à Paris, à 200 km de là, ça nous coûte 6,50 euros. C'est pas excellent, c'est bien ça et au Canada c'est pareil, c'est les mêmes tarifs. Au Canada ça nous coûte 2 euros. Par contre, euh, tu l'envoies, euh, tu l'envoies à Paris, c'est toujours 6,50 euros Et même en ah. Afrique parce que je pense qu'on a des managers qui sont en Afrique non Tout à par fait. Contre, on on toucher on en fait tout cas. Mais... Aussi, mmh. euh, à travers le monde, incroyable. Ok d'accord. Ah, oui, 2... En fait euros à travers le monde c'est franchement pas cher. Ouais c'est à peu près ça. j'ai pu après ça dépend du grammage hein. 2 euros nous c'est pour les formats de bouquins qu'on a actuellement. Si après mmh. vous faites un truc plus gros, ce sera un peu plus mais euh... Enfin, clairement, ça reste très très peu cher. C'est beaucoup plus intéressant de vendre à l'étranger que de vendre que de vendre en France justement, ce qui est assez, assez curieux d'ailleurs. Mais, mais, mais tant mieux. C'est une bonne nouvelle pour les gens qui habitent hors de France du coup. Très oh bien. Excellent, ouais, ça c'est une bonne nouvelle. Euh, en résumé, le contenu du livre, ça serait quoi mais bah, justement, on demande l'avis des gens, donc n'hésite pas à répondre. Z, si as peut-être le lien du questionnaire comme ça pour les personnes qui sont arrivées par après. Euh, c'est pour ça sure. que, en tout cas, dans le chat, dites-nous par exemple, enfin vraiment genre. Euh... Est-ce que vous êtes intéressé par cette idée Oui, non Comme ça, on a déjà un peu une idée euh, vous dans le chat et en rediffusion aussi en commentaire. Dites si ça vous plaît l'idée ou pas. Est-ce que ça vous intéresserait En tout cas, un livre communautaire. Et ça. On se rend compte que bien ça, évidemment, on ne sait pas ce qu'il y aura dedans encore. Mais est-ce que l'idée vous plaît Est-ce que ça vous intéresse Est-ce que vous voulez participer Est-ce que vous voulez l'acheter Est-ce que éventuellement. qu'on se lance là-dessus, quoi. En fait, c'est ça. Et la et... question, c'est ça. Et si je peux me permettre d'ailleurs aussi pour euh, ceux qui... qui seraient emballés par l'idée, c'est de ne pas hésiter dans les forums que l'on va créer. C'est aussi de... de nous parler des. Peut-être chacun a une référence de livre euh, à portée de main, un livre qu'on aime bien, et bien de, de, de nous le dire, euh, sa référence, et comme ça aussi, nous, on peut s'en inspirer, on peut aussi, voilà, euh, on peut nous donner des exemples, et, euh, et nous, on s'en inspirera. Oui, c'est vrai, qui seront les auteurs Ça, c'est une très bonne question. En fait, si moi, si je comprends bien, voilà, tu me dis si je me trompe, toi, tu chapeautes un peu le projet, enfin, c'est toi qui, en fait, tu as eu cette idée, et c'est comme ça que tu as contacté euh, Cicéron Édition. Mais après. Euh... Ah, moi, c'est toujours la faute d'orthographe. Je suis désolé, c'est Cicérone avec un E. Bon, bref, on fait des fautes, c'est pas grave, on va corriger ça. Et en gros, les auteurs, je pense qu'après, toi, tu vas peut-être, j'imagine, chercher des, o... des gens, des idées pour que des gens puissent raconter des histoires. Et peut-être. Il y a des mais, très bons auteurs, en fait, dans la communauté aussi. Mais complètement, c'est ça. En fait, c'est exactement pareil, bah, comme il y a sur le forum avec l'Indé. Euh, c'est ça. Moi, je, je m'imaginais peut-être. Euh... Toi, sur le financement participatif, je me serais dit, euh, j'aurais eu envie de mettre. Euh... Des mots sympas, tu vois, sur le portrait de tous les gens qui ont participé et qui ont fait que ce livre existait. Okay. Ça, j'aurais bien fait une partie là-dessus. Mais le reste du livre, moi, j'aurais envie que ça soit un peu nous tous qui, qui sommes là et, et, et sur le forum d'Atric, qui, qui participions et qui l'écrivions, quoi que ça soit vraiment. Euh... Notre, notre livre à nous tous et qu'on ait tous mis une petite pièce du puzzle dedans. J'imagine qu'il faudra quand même une espèce de, entre guillemets, euh, comment on appelle ça, rédacteur en chef, quand même, pour un peu coordonner tout ouais. et un peu qu'il y ait un fil rouge euh, cohérent, on va dire, parce que tu vois, c'est quand même important ouais. dans ce cas-là. c'est sûr. Mais ça, on le fera peut-être aussi euh, un peu en... plus ensemble, ben, oui, ceux oui, qui sont plus sûr. moteurs dans le projet, et euh, je pense avec l'aide de, de, de l'éditeur qui, je sais pas si ça rentre dans ses prérogatives, mais qui, j'espère, nous accompagnera là-dedans. Bien sûr, bien sûr, ouais, sûr c'est notre je, alors si je peux ajouter un, un, un mot, un début d'idée euh, pour pour essayer de cadrer un peu tout ça. Euh, voilà, j'aime beaucoup le, le plan que tu donnais tout à l'heure. Je trouve ça assez intéressant. Euh, on peut peut-être partir de, de cette base-là. Ça pourrait faire un genre de squelette pour au moins se donner mmh. des idées et réussir ça. à les piler. Et... Et j'aime aussi euh, beaucoup, moi, l'idée du, du témoignage ou de la collaboration, euh, dans le sens où chacun peut avoir son mot à dire, parce que ce bouquin, finalement, euh, si les gens l'achètent, euh, bah, d'après ce qui se dit depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que tout le monde peut aussi y participer. Oui. Et donc, en fait, si euh, on a ces parties qui sont identifiées, celles que tu citais tout à l'heure, là, les gens peuvent ajouter directement. On peut créer un, un fichier euh, sur Google Drive, là, un Google Doc, sur lequel les gens euh, viennent, euh, viennent signer un paragraphe qu'ils ont envie d'indiquer bah, euh, dans la présentation de Qu'est-ce que Atrix. S'il y en a un qui a envie de s'y coller ou qui veut juste rédiger une partie, bah, qu'il y aille avec ses mots à lui. Euh, si y en a qu'à envie de, de, de partir sur les règles, qui aille. si y en a un qui veut raconter des histoires de la commune. Enfin, tout ça. Et, et après, en fait, nous, on fait le tri, on vous aiguille là-dessus, on corrige, on reprend un peu le texte. Parce que bon, des fois, l'écriture, on, on, on commence à lire pas mal de, de choses. Et euh, c'est vrai que quand tu as la tête dans le guidon, des fois, tu ne te rends pas compte mmh. de ce que tu écris. Mais euh, bon, l'idée, c'est que ce soit lisible pour tous ceci. Euh, mais en tout cas, ouais, toute cette matière, euh, il faut qu'elle vienne d'un squelette et ce squelette, je, je trouve que celui que tu as donné tout à l'heure, il, il est assez pertinent. Quoi. Sachant qu'il reste modulable aussi. Et je vais me permettre modulable. de compléter euh, ce que dit Simon, c'est-à-dire que pour ceux qui auraient des idées euh, même des, voilà, des, et qui ne sont pas forcément à l'aise à l'orthographe, euh, à l'écrit, bah, c'est aucun problème. En fait, on est aussi là, nous, pour aider à la rédaction. On, on viendra, en fait, nous finaliser donner forme, donner du, aider au fond aussi. Donc euh, là-dessus, il faut vraiment euh, pas s'inquiéter. C'est simplement nous transmettre au moins juste des idées. Et puis nous, on, on est aussi là pour conseiller et aussi être là dans la rédaction. Moi, j'ai encore une question. Parce que moi, je trouve ça génial et euh, je, je, je vous écoute énormément. Mais on partirait plus, en fait. Enfin, là, ce sera peut-être plus Valhalla dans un premier temps. Je ne sais pas si tu avais déjà réfléchi. On part sur un bouquin euh, technique parce que c'est vrai que Atrik est un jeu très technique. Hein. Ou alors est-ce que le but c'est de vulgariser au maximum et du coup aussi donner déjà une indication à ceux qui ont le, la plume tremblante prête déjà à, à vous rédiger un petit texte. <laughs> euh, la question elle est, elle est pour moi peut-être. Je, je, euh, je pense que, que c'est toi qui est le plus doute, à ouais. Je ouais. pense euh... que, que nos amis Vincent et Simon, euh, François et Simon pardon, François, qui, euh, qui sont assez novices quoi dans, dans le jeu bien sûr. Oui, ouais, c'est ça. Et ben bah, euh... Non, pas forcément technique comme le manuel non officiel l'est. Après, euh, pour expliquer le jeu, il faut, voilà, faut quand même qu'on arrive à, à rentrer dans les, dans, dans les détails, mais peut-être tout en, tout, en euh, tout en étant assez léger. Je pense que l'introduction, c'est qu'est-ce que c'est le jeu, comment ça fonctionne. Euh, peut-être un peu de part de, de, de des statistiques qu'il y a, la, la mécanique du jeu, et puis pourquoi nous ça nous passionne et, et, et qu'on reste dessus. Et après, moi j'aurais bien vu peut-être un QR code qui envoie assez vite bah, vers le manuel officiel d'Atrick Et euh, après, si euh, un compte est créé, le, le manuel non officiel francophone qui est fait euh, qui est fait sur euh, la fédération francophone ou le forum francophone. C'était ouais comme ça un peu que j'imaginais euh, que j'imaginais le début. Un petit QR code par exemple. Oui c'est ça. Ouais, okay. il est tout à fait possible d'ajouter un QR code euh, sur, euh, sur certaines pages pour qu'ensuite les gens se redirigent peut-être sur des, des choses plus officielles ou plus complètes euh, directement sur le web ouais. et de rester peut-être sur quelque chose de, de plus euh, de plus simple et plus accessible dans le bouquin, quoi. De moins technique en tout cas. Carrément. Ok, bah en tout okay. cas, c'est quand même assez clair. Je sais pas si dans le chat est-ce est que c'est assez clair pour tout le monde en fait. Salut à Gédévin mmh. qui vient de nous rejoindre aussi. Donc voilà Hello. le principe d'un livre communautaire est-ce que voilà plus un j'ai pas fait en fait l'idée l'idée oui pendant mais pendant qu'on regarde plus. le chat hein, juste signaler que le Sénégal en U21 est en train de rouler mmh. sur le 3-1 <laughs> ok voilà. parfait et euh... petit et... club qui est content ouais c'est ça clairement clairement et pour moi, en tout cas, c'est clair. Si dans le chat, vous avez encore quelques questions, n'hésitez pas. Et sinon, après, on passera quand même au jeu. On termine toujours la soirée par un petit jeu où on offre 10 crédits en fait, aux vainqueurs, comme ça, vous savez. Et hein. on terminera le livre par un jeu aussi, j'espère. <laughs> ouais, un jeu où on peut gagner 10 crédits, tu vois. <laughs> Ce serait trop bien. Mais... Euh... Alors, franchement, moi, je peux participer. Tu sais que... Petite confession, euh, j'étais un peu cruciverbiste à l'époque, on va dire. J'aimais bien faire des mots croisés, créer des mots croisés, oh, tu vois. Un oh, mots croisé à truc, ça serait fou. Non, mais tu sais que là, j'en ai un sous les yeux. Hein. J'en ai créé un, en fait. En fait c'est. Moi, j'adore les mots croisés. Alors, pas les mots fléchés, hein, donc c'est vraiment, tu sais, genre les, euh, ouais. les cases 10 sur 10 avec le moins de cases bien noires sûr. possible. tu vois. En fait, c'est vraiment ce principe-là. Ouais, ouais. J'en ai un sous les yeux qui est fini, tu vois. J'en ai un deuxième qui est en cours. En fait, à la base, je m'étais dit tiens, est-ce que je les mettrais pas sur HT Actu Je sais pas trop quoi en faire, parce que je sais qu'il y a des gens qui potentiellement pourraient aimer les, jeux, les mots croisés. Si vous aimez ça dans les chats, dites le chat, hein, dites-le. D'ailleurs, si vous aimez les mots croisés, mais peut-être que je pourrais le mettre dans le livre, tu vois justement, ça serait ah, un ouf, contenu exclusif. C'est sur des mots, des mots, des joueurs à triques, des trucs comme ça. Tu vois, en gros, c'est ça le but, c'est que ce soit en rapport oui, avec. A... C'est un mot croisé à triques en fait, donc. Euh, ça ça peut être intéressant, carrément. Ouais, bah, écoutez, je pourrais en faire quelques-uns peut-être, éventuellement. J'en ai un qui est fini et un deuxième qui est en cours. Voilà, parfois des petites idées comme ça. <laughs> Mais trop bien. Euh... Je pense qu'on est quand même pas mal. Voilà, On regarde juste s'il y a encore quelques questions, sinon on finira par un jeu. Et alors j'ai fait un petit jeu sur mesure, ça m'a donné envie de... Voilà, je me dis, voilà, on a des amoureux des lettres. Moi je suis un amoureux des lettres aussi, hein, donc euh, voilà, chacun a son style en tout cas d'amour par rapport aux lettres. Je me disais, pourquoi pas euh, faire un petit jeu sur les lettres pour finir la soirée. Mais j'attends juste s'il y a peut-être encore des questions, mmh. des petites remarques, comme ça on est vraiment... Et sûr. En attendant, Et... la France qui met 4-1 face au Bélarus. Okay. Ouais, merci Alpa, carrément, c'est très 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 bonne source d'inspiration là que tu nous mets là. C'est clair, on pourra qu'on aille voir ça. Tu sais qu'on a fait, fait un... de côté, je le verrai. On a fait un merci, article, ouais. un article un peu similaire sur Acheter Actu aussi où on avait demandé aux gens euh, donner des raisons de jouer à trick en 2020. Je crois mmh. qu'on a fait l'article en 2020, donc il y a aussi des et beaucoup, il y avait une, y quarantaine, y piocher, ouais, ouais, une de... quarantaine, de personnes de la communauté qui avaient participé. Pourquoi pas le mettre à jour aussi Enfin. Y a moins de trouver des trucs. J'ai pas l'article sous la main donc Z, si t'as l'article, hésite pas. à mon style là mm. mais c'était sur actu je pense, qu on faut trier un peu. De toute façon, voilà, on va faire un, un forum où on verra aussi la participation qu'il y a et, et on se mettra un petit, un petit Google, euh, Google Doc pour, euh, pour faire une, une colonne vertébrale, voilà, au, au projet, puis voir, euh, voir comment ça, ça Moi, j'ai aussi un lien qui est intéressant, que je vais mettre dans le chat tu me diras. Je pense que ça, c'est pertinent. Non ouais, le site. Bah, ça, c'est le site, bien évidemment. Il y avait pas mal d'articles. Un peu moins mis à jour dernièrement parce qu'on est plus occupé sur Twitch que sur vraiment le site. Si des gens veulent d'ailleurs participer en faisant des articles, n'hésitez pas, d'ailleurs. <laughs> ouais, mais je pense que ça peut, ça peut être une idée quand même, euh, qui peut aider aussi euh, dans la réalisation. Ouais, a... c'est les gars, ça. Ouais, c'est ça, c'est nous. Ouais, ouais. Il y a eu euh, quelques articles sympathiques. Par exemple, Darcel a fait un article sur comment devenir champion. Tu sais, il avait interviewé différents managers qui étaient en championnat pour être champion. Il y a, il y, a... y a moins de prendre aussi des trucs peut-être de là. Faut voir. En tout cas, il y a peut-être des idées. En tout cas, peut-être pas des trucs à prendre, mais à voir euh... Effectivement. Le Donc, ouais, acheter Actu, c'est nous, exactement. C'est nous. Ça, c'est notre site en fait qui maintenant sert plus un peu de vitrine, on va dire que vraiment, il euh, y a plus trop d'actualités. Ça dépend un peu des, des, du temps. Euh, voilà. Je pense qu'on a fait un bon tour, en tout cas. Est-ce que dans le chat, vous avez envie de jouer Parce que il est déjà quand même assez tard. Mais moi, je peux vous proposer un petit jeu très rapide, incroyable, un petit jeu rapide, mais en rapport avec les lettres. Et où même nos invités pourront jouer, <laughs> en plus peut-être. Enfin, à voir, en tout cas, si. C'est un peu en rapport avec 4 quand même, donc c'est pour ça que j'ai dit peut-être, parce que je me dis ouais bon peut-être que ça va être un peu complexe, on verra. Est-ce que les gens veulent jouer Oui, vas-y, fonce. Toujours pour gagner 10 crédits. Alors, ça peut-être expliquer la règle des 10 crédits, pendant que je prépare juste, comme ça je prépare tout vite fait. Moi, je vais faire un récap des matchs, en fait, déjà, pendant que tu. Euh... Ok, vas-y, vas-y. Vas 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 euh, donc, du coup, la République Dominicaine, euh, République Démocratique du Congo, pardon, face à la France en U21, 2-0 pour le Congo. En U21 aussi, Sénégal-Ouganda, 3-1, Sénégal. Belgique en en A, un partout. france belarus 4-1 euh, pour la France. Du coup, ben, les prédictions vont se terminer avec un seul gagnant. Euh, du, moins, enfin, du moins, un seul qui gagne. Donc, on avait demandé euh, si le A et U21 allaient gagner. Si deux gagnaient, si un seul gagnait, ben, si personne gagnait. Là, c'est un seul qui gagne. Et voilà. Sinon, pour le jeu de Dapidu, pendant qu'il est en train de préparer, euh, on va vous, mettre, euh, vous afficher à l'écran une lettre sur un site qui gêne Non pas du tout, tout c'est un, un nouveau jeu, c'est un nouveau jeu Z. C'est un nouveau jeu. En fait, je vais ah, expliquer vite fait. Moi, c'était plus ah, que expliquer les 10 crédits. Si quelqu'un gagne ah, les 10 crédits, qu'est-ce qu'il peut en faire En gros, Dapidu va vous expliquer un truc que moi-même, je ne suis pas au courant, pour vous dire à quel point nous sommes organisés. Enfin, je, je rigole. <laughs> Mais euh, voilà, donc... Euh, vous allez participer au quiz de Dapidu Et euh, le gagnant de, de la soirée va gagner 10 crédits. Voilà, qui peut garder pour lui, s'il n'en a pas besoin il peut le donner à quelqu'un d'autre, sinon il peut le mettre sans aucune pression, aucune, même si à chaque fois ça termine le temps, <laughs> dans une cagnotte euh, qui se remplit de semaine en semaine et qui sera distribuée euh, pour notre émission spéciale Noël où on distribue plein de cadeaux. Il y en a combien de printemps des crédits dans la cagnotte Il y en a, 80 a ou... je sais pas. il y en a plus, je pense qu'on a atteint la centaine la semaine dernière. Ah je ouais Ok. Un instant, <laughs> il y en a un un instant, qui va instant, se mettre bien instant, à Noël <laughs> Voilà, on a atteint les 100, effectivement. Donc, je n'ai pas de bêtises. On a atteint les 100 et c'était De Kiki qui avait donné ses 10 crédits parce qu'il avait gagné la semaine dernière. Et j'ai JDV qui dit Je gagne jamais 10 crédits. Attends, il y aura le match retour, JDV. De Kiki, c'était 7 qui je pense qu'il a gagné. Pardon. Alors, ah, attention. Donc, le jeu, ça va être acheter anagramme. On va faire des anagrammes simplement. Donc en fait, on, je vais vous afficher un anagramme, il faudra trouver le plus rapidement possible. Alors je vous connais bande de coquins, c'est que vous allez tricher sur des sites externes et tout, on vous connaît. J'essaie de mettre des mots, alors peut-être pas tous, faudra voir, mais que là, déjà essayez de pas tricher. Bon, c'est dur de dire ça à tout le monde, mais normalement j'espère que c'est des mots qui seront pas sur des sites sur lesquels vous pourrez trouver. Mais en tout cas, c'est par rapport à trick, donc comme ça vous savez, vous allez comprendre directement. Euh, je vais marquer d'abord dans le chat comme ça tout le monde aura le mot au même moment et après je l'affiche sur l'écran. C'est ce qu'on fait d'habitude un hein, ça hein, dans ce sens-là, je pense. C'est d'abord dans le chat, après sur l'écran. Donc attention, anagramme numéro 1. Le premier qui trouve un anagramme, c'est quoi C'est les lettres qui sont mélangées, il faut les remettre dans le bon ordre, tout simplement, en gros. C'est parti, voilà l'anagramme numéro 1. En bon, ce temps-là, je prépare déjà l'anagramme numéro 2. C'est vraiment un jeu improvisé parce que Darcel n'est pas là, bien évidemment. Et c'est Fabinou qui l'a en premier. Fabinou, suite 7 kills, puis de c'était bien à bien évidemment. Et donc, Z, tu notes les points Un point pour euh, Fabinou Et pendant ce temps-là, je suis juste en train de taper le suivant. Voilà, jeu totalement improvisé, je ne sais pas du tout si ça va vous plaire ou pas. Après, bon, il faut aimer les lettres, bien évidemment. Mais euh, je me suis dit que ça pouvait être sympa, comme on a des invités qui sont amoureux des lettres aussi. Euh. Il y avait au moins un petit rapport avec l'émission, quoi. on va dire. Donc l'anagramme numéro 2, est-ce que vous êtes prêts C'est parti. Et je l'affiche là maintenant. Il faut, faire, euh, faut user, utiliser son cerveau, quoi. Si, si, c'est sympa, nous 17 kilos. Ouais, c'est un peu tordu quand même. N'hésitez hein. pas à jouer en rediffusion aussi, hein, d'ailleurs. Vous pouvez essayer de chercher, quoi. Casselec, qui a trouvé direct consolante, bien évidemment. Petit hommage à Alpa. Ça fait partie des quelques mots où je me suis dit, bon, il y a peut-être moyen de le trouver sur d'autres sites, mais connaissant Casselec, je pense qu'il joue vraiment le jeu et à mon avis, il l'a trouvé direct. Il y a des gens qui sont doués. Est-ce que vous êtes bon pour les anagrammes, d'ailleurs, euh, François et Simon Est-ce que vous êtes... Euh, Est-ce que vous aimez bien Est-ce que vous êtes bon dans les anagrammes Ah, je me Eh ben, bah, visiblement non. <laughs> non, il faut croire que non, effectivement, peut-être. <laughs> J'essaie ouais. Bon, on les a perdus peut-être. Pas tout ah, si. Bon, ouais. Alors, euh, on remet... Non, c'est juste pour savoir si vous aimez bien ah, les anagrammes en fait de manière générale. Ah, Est-ce que vous aimez bien les anagrammes ou c'est quelque chose qui vous parle C'est pas souvent. Hein. Moi, de temps en temps, j'aime bien. J'aime bien l'idée. Allez, on ne rien vous cacher. En fait, j'étais parti juste dans la chambre à côté pour calmer ma, ma fille de trois mois qui était en train <laughs> oh, de pleurer. Je suis désolé. Pour le... Je suis désolé, j'aurais ouais, pas dû. Bon je t'ai J't mis dans la sauce ouais. en parlant, quoi. Tu vois, désolé, je voulais pas. Non, non, fais attention, ah, là, 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 va... va voir ta fille, bien évidemment, il n'y a aucun souci. <laughs> Elle vient de se calmer, c'est bon, je suis... on est pleinement avec vous. Attention, prochain mot, prochain anagramme. Donc Z, t'as marqué, c'est qui qui avait trouvé en premier C'était Kasselek, quoi. Ouais. Qui avait trouvé en premier, Kasselek en deuxième. La deuxième. Parfait, attention. Troisième anagramme, c'est parti. Et je vais le mettre ici. Bon, il y en a certains mmh. pour nos invités, c'est plus facile, et d'autres peut-être un peu moins, hein, j'avoue. Il y en a, c'est en rapport avec la communauté, par rapport au jeu, etc. Galwayan, ça a été 7 kills. Et ils sont, rap ils sont bons hein, dans le chat. Alpat était pas loin avec Franck Hérisson d'ailleurs. <laughs> Parce que c'est le joueur de Galwayan. Ouais. Il, y a des petits, ouais, il y a des petites blagues communautaires, on va dire, mais ça, vous allez comprendre ça quand vous allez être dans le jeu petit à petit, vous allez voir. Mais... Donc, 7 ouais. kills. Galwayan qui est un peu notre... Euh... Notre doyen, euh... mais il nous manque, il, il a un concert ce soir, il a dit qu'il ne serait pas là ce soir, il a un concert, mais normalement, c'est un peu aussi le portier de l'émission, tu vois, il fait attention aux gens qui rentrent et qui sortent dans le chat, il fait ça bien, c'est un très bon. Tu euh... dis doyen, mais c'est celui qui fait le plus de festivals, de métal et compagnie. oui, non, non, bien sûr. Il a fêté effectivement, il l'a dit, il a fêté ses 60 ans, mais en fait, c'est un jeune de 25 ans dans le corps d'un homme de 60 ans, en fait. C'est exactement ça, c'est vraiment ça, quoi. C'est un doyen ouais, juste sur la carte d'identité, quoi, mais pas en vrai, quoi. Si tu écoutez en replay, on te salue. Euh, J'ai fourché sur les lettres... Ou oh, après, s'il y a une petite faute. Tu vois, Fabinou on l'aurait accepté, hein, mais c'est cette kill qui est quand même en premier. Attention que quand vous répondez tous à une demi-seconde d'écart, même pas. Parfois, chez vous, vous, vous voyez affiché en premier. C'est pour ça qu'on affiche le chat euh, neutre à l'écran. Mais en fait, euh, voilà. Nous, on a vraiment le chat qui est neutre, hein, comme ça, vous savez. Le prochain à trouver, <laughs> Dupida. <laughs> non, quoi, je suis pas aussi bête. <rire> <Tu> <rire> imagines, ça va être drôle, franchement. Attention, je tape le suivant. Tac, 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 tac. C'est parti, le suivant. Le quatrième... C'est parti, ouais, je l'affiche à l'écran aussi. Si vous l'avez, n'hésitez pas aussi, euh, Voilà, là, euh, nos invités. Euh. Ils sont forts dans le chat, mais vous êtes super fort, Encyclopédie, effectivement. Là, c'était un peu un rapport avec nos invités, justement. Bon, à la base, je voulais mettre l'anagramme de livre. Je trouvais que c'était peut-être un peu trop facile en cinq lettres, donc je me dis, je vais prendre un mot un peu plus compliqué que livre. <laughs> <Mais> bon, <laughs> donc j'avais encyclopédie, mais peut-être que. On va bien trouver, en tout cas, franchement, trop fort, euh, Fabino. En tout cas. Donc Z, c'est pour euh, Fabino, hein, celui-là. Pas oh pardon. Euh, T'as mis qui Attends, je vérifie quand même. Pour... Ouais, si, si, c'est minuit. Non, c'est bien Fabien. Désolé, Faminou. Attention, le prochain arrive. Désolé, hein, c'est juste que c'est de l'impro hein, ce jeu. Donc euh, on tape vite fait. Tac, 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 tac. Attention, prochain anagramme. C'est parti dans le chat et je vais l'afficher à l'écran là tout de suite. Voilà, un petit facile normalement. Bah ouais, acheter Actu, bien sûr. Impossible de trouver ça sur un site tu vois, de triche. Donc, non, les gens sont juste trop chauds. Dans le chat, vous êtes vraiment trop chaud, par contre. Vous l'avez vraiment en deux secondes. Ils sont forts. Là, c'est 7 kills, par contre. Là, c'est 7 kills en premier, ouais. C'était de très peu. Juste un joueur yacht qui a ses legs Ça ça fait tatatata ta tout à la chaîne. Toti Thomas qui fait tatatata. Et alors. Désolé, je sais juste. Attention le prochain, euh... Donc ça tu, sais, tu peux faire un récapitulatif des scores, ça m'arrange comme ça je peux juste te mettre en place tout On tout. a toujours, on commence par le bas, Kaselek avec un point et pour l'instant Execo avec deux points, Fabinou46 et 7 kills. Alors qu'il en reste plus que 6, euh, plus que 6, plus que 2 pardon, et c'est le 6ème donc il en reste plus que 2 donc attention les points là vous pouvez encore tous gagner mais maintenant il faut répondre bon à tous ceux qui arrivent. Attention le prochain c'est parti, le sixième et je vais l'afficher sur l'écran aussi voilà. Ouais, en fait, on affiche dans le chat en premier parce qu'il y a un décal... Les gens entre eux peuvent avoir un décalage sur l'écran, alors que normalement dans le chat, on pense... enfin, ils sont tous à égalité, donc au moins, il n'y a pas de problème, on va dire. Euh, petit Filou, trop fort. Franchement, Petit Filou... Eh, hey, Petit Filou, on ne l'a pas vu dans le chat, et là, bam, une bonne réponse directe. Alors, Petit Filou, qui était le coach adjoint du Dicredit. Alors, pour faire simple, pour expliquer à nos invités, le crédit en fait, c'est un club communautaire qu'on a créé, avec chaque fois un manager expérimenté qui vient chaque semaine, en gros, donner un peu ses conseils et son point de vue sur l'équipe. Et Petit Filou a fait partie de, de ces gens-là, en tout cas, au début. Et, euh, et bien joué, petit filou. Franchement, très beau premier message dans le chat. Peut-être que en as mis d'autres, mais je n'avais pas, pas vu, mais ça fait plaisir en tout cas sur le 10 crédits. Franchement, tu ne pouvais pas mieux tomber, franchement. <laughs> je faisais d'autres choses à côté, salut à tous. Ouais, salut, petit filou. Mais euh, magnifique, franchement, es arrivé parfaitement. C'est juste sur le mot qu'il fallait. Et donc, il reste un dernier, euh, un, dernier, euh, un dernier anagramme que je suis en train de taper rapidement. Euh, attendez. Attends, c'est plus drôle si je mets ces lettres dans ce sens-là, attendez. <laughs> ok attention et anagramme 7 c'est le dernier attention tout se joue maintenant c'est parti et j'affiche à l'écran je trouvais ça marrant j'ai juste inversé deux lettres parce que ça me faisait marrer au final ah, petit, et petit filou ok petit filou est bon en anagramme faut croire euh, ça c'était un petit clin d'œil en fait à, à deux anciens invités qu'on a reçus il y a pas si longtemps hein. c'était pour Cassélec et euh, et mode Freeman, donc les Masters, en tout cas les Français qui vont, qui, qui voilà, qui jouent les Masters euh, cette saison. Donc voilà, euh, Masters, euh, c'était bien Masters. Et donc c'est euh, petit filou aussi, petit filou qui a enchaîné les deux points justement pour euh, montrer que tout était possible. Donc Z je pense que normalement il y a euh, un une un égalité. Triple ex un triple, exactement. Ex oui. Moi j'ai envie de demander, je sais pas Le si tripalité. les. La a nous, cette kill et petit filou qui ont deux points chacun, Casselac qui, qui est quand même en, en queue de peloton avec un point. Ok. En fait, ce qu'on aime bien faire, peut-être, je vais vous expliquer. François et Simon, on aime bien toujours dire à l'invité, quand il y a un match nul, c'est en fait c'est l'invité qui peut proposer une question. Donc, je vous proposerai peut-être de décrire dans le chat sur Discord un, un anagramme. Ça peut être n'importe quoi. Je vous rassure, pas spécialement sur le jeu. Ça peut être sur un thème qu'on a abordé. Ça peut être sur ce que vous voulez. Donc euh, voilà, vous prenez un mot, vous tapez les lettres dans n'importe quel sens et euh, bon. et c'est bon. Et on sera ok. Et du pense. coup, on demandera juste juste à Fabinou, c'est qui les petits filous de participer. Ouais, c'est ça. Pour les départager, ce sera plus simple. Si les autres le mettent, bah, c'est quand même les aider. Juste Fabinou, et le petit, petit filou qui seront concernés par l'anagramme que nos invités vont nous partager. On devrait donner la victoire au quatrième, il n'est pas exéco. C'est vrai qu'au moins il est unique, c'est ça que tu veux dire. <rire> <Oui>. <rire> on devrait faire ça en fait, c'est celui qui a un nombre unique de points. C'est ça. Mais c'est vrai que, par contre, j'avoue, j'avais pas pensé, mais c'est vraiment un jeu qui a été improvisé 5 minutes avant le quiz, hein, je vous avoue. Mais c'est vrai que j'avais pas pensé aux personnes sur téléphone, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc on fera pas ce jeu-là à chaque fois, Voilà, ah, c'était juste une tu fois. Tu mais... sais, ça, ça dépend des mots, mais le téléphone peut être un avantage. Ouais, mais parce que si c'est un mot commun ou un mot que tu tapes souvent, tu vas taper le début du mot et ta ah, prédiction va te, le, va te le mettre. Et tu dis directement à ta prédiction, OK. J'avoue que Galwayan, en, c si en, tu sais, si tu t'écris en, dans l'encyclopédie tu tapes e -N -C y Je suis sûr que la plupart des téléphones te proposent déjà encyclopédie. C'est vrai. Oh, c'est vrai, c'est vrai. Et euh, j'avais pris des mots quand même exprès qui ne soient pas des mots communs, à part encyclopédie et, euh, et consolante. Tu vois, c'est tous des mots un peu spéciaux. Mais euh... Donc oui, je ne sais pas si ça vous dit, hein, François et Simon, de proposer un anagramme, vous aussi avec plaisir. Ouais. On donc, est en train donc, de trouver. Pas on tout on tout tout de tout trouver Un mot bien compliqué là, bien chiant. Ah bah allez-y. Non mais allez-y. On va combler pendant ce temps-là. Il y a aucun problème. Trop de niveaux, ça nous sidère. Donc du Et, coup, c'est vous. Quoi... Vous avez raison. Ils sont forts dans le, Mettez -le chat. Mettez-le sur notre chat. Donc du coup, qu'on a en échange euh, sur euh, sur, dans Discord, Discord, ouais, sur Discord avec la solution aussi, s'il vous plaît, hein, parce que peut-être <laughs> que nous-mêmes ne, ne trouverions pas sans, sans la solution. Alors attends, on a le mot. Alors attends, faut qu'on mélange les lettres maintenant. Ça pas, autre chose. pas de souci. Pas de souci. T'inquiète. On euh va combler en attendant. Et, euh... et euh... qu'est-ce que je veux dire En tout cas, déjà, ça fait plaisir de vous voir dans le chat. Hein. Vous êtes toujours présents, vous êtes nombreux, c'est vraiment plaisant. En tout cas, ça nous fait bien plaisir. Et encore une fois, en rediffusion aussi, hein. franchement, euh, pour l'instant, il y a pas mal de gens qui nous rejoignent sur, euh, sur YouTube. En tout cas, on a pas mal d'abonnés qui arrivent petit à petit. Et donc, euh, je voulais juste vous remercier. En tout cas, ça fait plaisir aussi. Et euh, si vous pouvez passer un jour en direct, un vendredi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont envoyé des messages en disant qu'ils qu aimaient bien l'émission, mais qu'ils n'étaient pas dispo le vendredi soir. Si un jour vous êtes dispo, n'hésitez pas à nous faire signe dans le chat aussi. Euh, mmh. Ça nous fait plaisir en tout cas. C'est super chouette. Et puis, euh, et puis peut-être dimanche soir aussi, non Il y a peut-être quelque chose. De... Dimanche soir, ouais. Euh... Comment ça dimanche soir Ce dimanche soir ou dimanche soir de manière générale Non, je sais pas, non mais des fois, des fois tu nous oui, bien fais sûr. Des, petits, des petits live surprises le dimanche soir aussi. Oui, c'est vrai que dimanche, bah à mon avis, Z, je ne sais pas, t'en penses quoi Parce que c'est vrai que souvent on, on improvise un peu avec Z, mais moi ce dimanche je serai présent. Je ouais, c'est plus improvisé. Bon, moi j'ai pas ça. de plan, donc voilà. <laughs> je pas à 100% oui, mais euh, pourquoi pas. C'est vrai que le dimanche, généralement, on suit la deuxième mi-temps bon. du match du 10 voilà. crédits. Et après on fait des petits jeux communautaires comme ça. donc euh, Je pense que ce sera le cas. Et alors mercredi prochain aussi, dans, je veux dire la pub en attendant, il hein, y aura la... Le cinquième épisode hein, du 12e homme. Alors, l'invité, je vous le donnerai, à mon avis, lundi, parce qu'il y a peut-être eu un imprévu, un truc comme ça. Il faut juste que je vois de mon côté, c'est un peu euh, pas clair pour l'instant. Donc, il n'y a pas encore l'invité, mais il y aura un invité, de toute façon, quoi qu'il arrive, ne vous en faites pas. Euh, c'est en cours de discussion, mais il y aura bien un invité, euh, normalement. Euh, vous... eh, Est-ce je... qu'il y a un match important mercredi C'est le 16e de finale, c'est ça Mercredi prochain, ouais, ouais 16e de finale. Hein. 16e de ouais. finale face. Euh... Euh, ça c'est mercredi et dimanche, c'est notre dernier match contre un joueur humain mmh, avant 8 semaines. Ouais. <laughs> avant 8 et semaine. Donc là, il y, y a pas mal d'enjeux entre euh, conforter la première place et, puis, euh, et puis mercredi, euh, le 10 crédit FC à 5 matchs des Masters. Alors, on m'a soumis un mot euh, dans le, dans le dans Discord. Est-ce que vous êtes toujours prêts donc, qui Z, Tu peux me redire les trois pseudos et dites si vous êtes encore bien présent comme ça on est sûr que vous êtes Donc pas... c'était Fabinou, c'est qui les petits filous donc les autres, on vous demande de ne pas participer. Vous pouvez jouer, mais euh, ne pas le mettre sur le chat. Euh... <laughs> Et Alpa ne peut pas jouer aussi parce qu'il a accès au Discord d'ailleurs. Merci Alpa d'avoir... Okay. Tu il aurait pu tricher, mais de toute façon, il ne peut pas jouer de toute manière, donc ça va. <laughs> Présent, Tifilou. On attend juste les deux autres, comme ça, on est sûr. Et euh, manche finale. Hop. Euh... Ah oui, Fabino aussi, pardon. Et c'était qui le troisième euh, 7 kills. tapez 7 kills, petit filou. 7 kills, fais nous un petit signe comme ça, on est sûr. Et après, on lance le mot direct. Hein. Attention. Accrochez-vous. 7 kills. Si tu es là, si tu es là, tape trois fois. Donc c'est un, ah euh, un beau mot. C'est un beau mot. C'est un mot. Un anagramme en tout cas qui a été donné par nos invités, hein, par François et Simon. Ils, se... Tiens, plus... ils sont un peu vicieux quand même là. Hein. Bon. <laughs> vous une allez une voir mais. C est... C est... Tu disais Une des passions de François. <laughs> ah, ok. Bon, Attention. Bon, on... On, verra, on va. Voir, on va pas en <laughs> dire plus. Bonne chance pour on les 10 crédits. Hein. C'est parti. Bonne chance. Et hop, je l'affiche à l'écran aussi. Voilà, c'est parti. Oh là là. C'est un beau mot, c'est un beau mot, franchement. Enfin, c'est un beau, tu sais, vu comme ça, c'est un bel anagramme. Oh. Oh, mon Dieu. oh, ah ouais, joli quand même, ça. Attends, mais bon. franchement, c'est euh... alors mais, mais, les... là, là, je pense que le correcteur, enfin, le... la prédiction du téléphone aide. Mais là, il y a peut-être une petite, oh, franchement, on l'accepte quand même parce que t'as trouvé, tu vois. Mais je crois que c'est le Y et le Y qui sont peut-être inversés, c'est possible. Euh... Ah, peut-être, oui. Mais franchement je pense qu'on peut quand même l'accepter, Enfin tu vois genre ça va quoi tu vois Il avait le mot quoi Enfin je veux dire euh... Z t'en penses quoi en tant qu'un peu qu'arbitre on va dire oui, il avait ouais. quand même le mot je pense va vérifier voir. ce que dit Google quand même pour euh, au moins informer mais... moi, Je pense qu'on va le laisser hein. Je serais curieux de voir en combien de non, secondes non, non, il non, a trouvé hein. l'orthographe est bon hein L'orthographe est bonne

Euh, ah non non pardon 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 Petit Filou l'a écrit. Oui il a inversé le Y mais enfin... Euh, non mais par contre Après, je sais pas. à moins à... on peut laisser Fabinho et Setki euh, contester s'ils veulent contester. Euh... Non, mais oh, cette game m'est totalement méritée et Fabinou a mis T'es ouf, donc je pense que c'est respect en tout cas de, des adversaires, on est d'accord. Non, franchement, petit filou, c'est impressionnant la manière dont t'as tapé. Franchement, on a à peine tapé le mot, en une demi seconde tu l'avais à croire que. Attends, il est pas dans le chat Discord, non, impossible. Non, ok, non, non, franchement, c'est incroyable. incroyable. Maintenant, on peut vérifier les droits d'accès, mais non, je pense pas, de toute façon, je, je suis sûr que nos votre chat est euh, honnête. Eh ben écoute, bien joué euh, Petit Filou. Donc Petit Filou, donc tu as gagné 10 crédits, tu les prends ou tu les... Tu fais ce que tu veux des 10 crédits, tu nous dis, et nous comme ça tu... Enfin voilà, tiens-nous au courant en tout cas. Mais tu les as gagnés, donc tu peux les prendre pour toi, et c'est même conse conseil que tu les prennes pour toi. Sinon tu peux les offrir à quelqu'un, ou les mettre dans la cagnotte, c'est comme tu veux en tout cas. Pour une fois que je suis là le vendredi, bah voilà, en tout cas tu as gagné ces 10 crédits. Donc 10 crédits, c'est voilà, quelque chose qui peut être utilisé dans le, dans le jeu en fait, <laughs> en résumé. D'accord avec Fabino, c'est plus Petit Filou, c'est Bot Filou. C'est Bot Filou, c'est vraiment ça, j'avoue. <laughs> Donc, Tiffidou, en attendant que tu nous dises euh, quoi... Je veux bien les prendre. Ça servira pour les deux réactions. C'est parfait. Bah, écoute, on te les envoie directement après l'émission, en tout cas. Encore une fois, félicitations et... Euh et nous, ça va être la fin de l'émission en tout cas. Vous été présents, vous étiez nombreux, ça fait ultra plaisir. Donc voilà, encore une fois, pour les gens qui nous écoutent en rediffusion, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires hein, vos avis, vos idées par rapport au livres, est-ce que ça vous intéresse, euh, le sondage qu'on a fait, vous pouvez aussi répondre, tout ça en commentaire. En fait, c'est vraiment très important pour vraiment donner une idée, un peu voir la communauté si elle est plutôt intéressée ou pas, voir si c'est un projet qui peut être fait. Si vous écoutez, que vous êtes intéressé, mais que vous répondez pas en commentaire, bah, c'est un peu, un peu dommage parce que justement, nous, il faut, il faut qu'on sache un peu votre idée, donc euh, n'hésitez vraiment pas. Et pour une fois, je dis pas ça pour du référencement YouTube, vraiment pas là, c'est vraiment pour donner... Idée pour, pour François et Simon, en tout cas, qui, qui, qui puissent voir de leur côté euh, la faisabilité du projet. Euh, yes. En tout cas, euh, bah, je vais déjà remercier euh, beaucoup, enfin, euh, je vais déjà faire un énorme merci à François et Simon de Cicéron Édition, alors. Merci beaucoup. Euh, merci à vous pour l'accueil. Ouais, merci à vous. Hein. Franchement, c'était un vrai plaisir. Cool. Bah, merci pour votre présence et c'était cool, en tout cas, aussi de partager avec vous, en tout cas, de vous faire peut-être découvrir un peu euh, certaines choses par rapport au jeu ou la communauté, on va dire. Donc, euh... Merci beaucoup pour votre présence et votre gentillesse aussi. Euh, Vala aussi, hein, merci beaucoup. Euh... On se connaît maintenant, Vala. Tu vois, <laughs> et merci beaucoup en tout cas ta présence aussi. Ben ouais, non, de merci, merci d'avoir accueilli euh, accueilli le projet, euh, de nous avoir euh, de nous avoir aiguillé là-dessus. Je ne euh, savais pas, en fait, je savais pas comment ça allait être vous alliez accueillir ça, et, et je suis plutôt euh, plutôt rassuré. Euh, et euh, ça donne envie de, de continuer. On se retrouve sur le forum de toute façon pour discuter de ça tous ensemble. Fait. Parce que c'est ensemble qu'on a envie de le faire, quoi. C'est clair. Et euh, merci Zed aussi pour l'émission. Merci à, Zed bah merci à Z en tout cas pour ton ta présence. Ça fait un plaisir. Merci à tous d'avoir passé la soirée en notre compagnie. Et euh... bah, je vous dis à la semaine prochaine. Bien sûr. Et bah, ouais. Merci aussi à, à, à Darcel hein, qui a été présent aussi avec nous, qui a dû nous quitter un peu plus tôt. Et merci aussi à Alpa. Ça fait beaucoup de merci, mais ça fait une grande équipe. Hein. Mais Alpa non, qui est en suis... sur du chat. <laughs> <Mais> non, <laughs> mais, attends, il y aura le chat aussi après. Mais, mais Alpa aussi, parce que c'est toujours lui qui fait les actualités, etc. Donc c'est vraiment Alpa, un travail vraiment essentiel. Même s'il n'est pas là dernièrement, il nous manque, mais je pense qu'il devrait bientôt arriver, j'espère. Et, euh, et merci au chat, bien évidemment, et aux gens qui nous écoutent en rediffusion. Alors, en fait, il y a une tradition, donc merci à tous, en gros. Il y a une tradition, François et Simon, comme ça, vous savez, je vais peut-être vous mettre un peu dans la sauce, mais j'espère pas non plus. En fait, j'aime bien laisser le dernier mot à l'invité. Je pense, bah, là, on peut laisser le dernier mot à Cicerone édition, alias François et Simon, peut-être pour clôturer, en fait. Donc, c'est vous qui avez le dernier mot et on coupe après ça, si ça vous va. Ok. <laughs> euh, bah ouais, ouais, tu veux y aller mais... J'avais envie de dire ornithorynque, <laughs> <laughs> non, non, euh... non bah, je t'en prie, Simon je. Euh, bah, continuons sur la lancée des merci, parce que <laughs> vous nous ouvrez la porte d'un univers qu'on ne connaît absolument pas. Euh... Et on y ressent beaucoup de bienveillance, et donc c'est chouette, et ça donne envie de, de poursuivre dans cette direction. Donc bah, encore merci de nous avoir fait euh, confiance et de nous avoir ouvert vos portes. Euh, le temps de cette soirée, c'est 2h30, euh, même je vois au compteur qui viennent de, de s'écouler, dont on n'a même pas vu le temps passer finalement. Euh, et puis, hâte de, de poursuivre sur, sur ces sujets là avec vous et de vous retrouver sur un prochain live ou dans le cadre d'un forum. Complètement, et puis euh, c'est vrai qu'on se découvre ce soir, nous en tant qu'éditeurs, mais on pourra se redécouvrir aussi, peut-être, nous en tant que joueurs. Tip top, merci beaucoup, à mercredi. Allez.